Coucou, et l'hôte est-elle? Comment ça va? Et bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est reparti. On va continuer. J'espère que... Hier, ma dernière session sur le jeu, elle était pas incroyable. Donc là, ça devrait être mieux. Ça va et toi? Bah ça va, écoute. Ça va. Alors, effectivement, on était ici. Je vais explorer la map. Voilà, Pizzy qui est fatigué. Est-ce que je peux poser un camp ici? Ah, yes! C'est cool, ça. Bah, je vais me reposer. Vu que Pizzy est éclaté, je sais pas pour quelle raison. Je vais faire un camp. Bon, pas devant un lieu de bataille, là, mais... J'ai trouvé un meilleur endroit. Autant qu'à faire, on va loot hein, tout ce qu'il y a. Alors qu'est-ce que c'était que ces arcs là? Pourquoi ils me disent que je peux pas les porter? Ah, arc court. Ok. Logique, c'est des petits bonhommes. Pas trop dur le boulot d'hôtel? J'ai trouvé un petit endroit pour me reposer. Monter un campement. C'est sympa de pouvoir monter un campement sur la map aussi. Ça va, c'est calme. Ah, bah, tant mieux. Oh merde. Non, non, non. Bon, on va pas faire un campement ici. Il y a des bestioles. Bah, en vrai. Non mais là c'est là où il y a l'esprit chelou en plus. Je vais essayer de trouver un bon endroit. Le petit il est à la ramasse. Donc pour info, pour les personnes qui connaissent un peu le jeu et qui s'y intéressent, genre aux classes et tout, j'ai étudié pas mal de choses et ouf, là ça va être pas mal je pense, un petit élan, il y a des élans là, c'est sympa ici, c'est mignon. À proximité d'ennemis? Quoi, c'est les élans qui me gênent? Poussez-vous les élans s'il vous plaît. Vous êtes joli, mais... Donc je disais, mon perso, il va virer... En termes de sort, il va pas être uniquement prêtre. Je pense que je vais le biclasser. Je vais le biclasser... Je pourrais pas vous le montrer là comme ça, en fait. Je me rends compte. En gros, je vais débloquer le compagnon animal. Je vais aller jusqu'au rang 5 parce qu'il y a un truc qui permet de... d'annuler le debuff du compagnon animal qui fait que... Enfin, le debuff. Je vous explique. Compagnon animal. Le compagnon animal. Attends, c'est où que j'ai marqué ça? C'est pas marqué? Bon, en gros, il a 4 niveaux de moins que mon niveau. Mon compagnon animal, donc il est nul. Et au rang 5, il y a un truc, un don ou un talent ou je ne sais quoi, qui permet de faire en sorte que bah, mon compagnon animal soit au même niveau que moi. Donc je vais débloquer ça. Ensuite je partirai sur ensorceleur empyréen, je crois. Pour ensuite débloquer la classe de Théurge Mystique, je crois. Bon, ils sont chiants là, les élans, là, barrez-vous. Pas vous attaquer quand même. Je peux pas camper là, c'est chiant. Non, mais c'est là qu'il y a des ennemis peut-être. C'est peut-être eux les ennemis en fait. Il y a du butin là-haut? Bon, je sais pas où camper. Pizzy qui se traîne, il me fait chier. Ah, c'est sympa aussi, c'est dégagé. Oh, c'est quoi? Jeton de la dryade. Souvenir de temps révolu depuis longtemps.
Un collectionneur d'antiquités avisé pourra débourser une belle somme pour... Ah yes, ça marche. Alors j'aurais dû sauvegarder avant ça, parce que ça se trouve c'est le fait de camper dans cette région et non pas simplement de camper. Oui, je sais, ouais. Comment on fait pour camper maintenant? On a mis le camp et après... Oups. C'est quoi ce truc là? On va dormir ici à côté de ça là? Moi je suis pas... Je suis pas serein. Il a pas l'air commode. Bah il a pas l'air méchant pour le moment, mais je crois que c'est parce que ça m'a mis dans le... J'espère qu'on va pas se faire attaquer. Ma cape est tout élimée, faut que j'attrape un ours histoire de m'en faire un beau manteau. Ah c'est marrant le petit campement comme ça, j'avais vu que les campements sur la grande map. Ah c'est stylé, tu les vois s'agiter et tout. 6 rations ramenées pour la chasse. Camp camouflé, ça a marché, le cuisinier a préparé un repas copieux, bah parfait. Au moins Pizzy sera reposé, ce couillon là, je sais pas pourquoi il était fatigué. Voilà. Tertre errant solitaire. Est-ce qu'on va lui parler là? Tiens, ça m'intrigue ce truc quand même. Alors, je vais sauvegarder parce que j'ai peur que ça l'attaque si je clique dessus. Et c'est pas mon but. Je vais voir si je peux lui parler. Mais non, je peux pas lui parler. Lui parler, il faudrait qu'il y ait une bulle. Ouais, voilà, d'accord. Non, mais je rigolais. Comme je l'ai dit, c'était pas mon but de s'attaquer. Il a pas l'air commode, mais il est pas agressif en fait. Tant que tu l'attaques pas, il te laisse tranquille. Donc ça me va. Donc là, c'était pas un choix de ma part, hein. C'était juste pour essayer de bien comprendre l'affichage des touches, et j'ai compris. S'il y a une petite croix dessus... Attention, il va nous marcher dessus, le con. Ah, il y a un truc, là. Des noix. J'ai toujours pas trouvé ce que l'autre, il cherchait, là. Oh. Journal de laboratoire. On va lire ça, peut-être. Le cadavre d'une femme ravagée au point de rendre toute tentative d'identification illusoire. Les doigts serrent toujours convulsivement un fragment de laisse en cuir. Ah. Alors voyons voir ce bouquin. Je suis allé dans les bois. J'ai déniché de nombreuses racines, des pommes de pin, des fleurs et un écureuil mort. Que voulez-vous que j'en fasse? Je dois trouver un moyen de me procurer des ingrédients plus rares pour mes expériences. Des ratons laveurs sont entrés dans la hutte pendant que j'explorais les bois. Ils ont tout ravagé. Il me reste juste 10 tubes en verre à fond plat, 5 flasques à fond arrondi, 2 mortiers en porcelaine, 3 pilons et mon pré... Bon, ça va me saouler en fait. C'est une sorte d'alchimiste qui... Ah ouais, putain. Oh, t'as la taille du texte. Bah. J'ai trouvé un elfe en train d'agoniser dans les bois. Elle respirait à peine et les fourmis grouillaient déjà sur son corps. Qui peut-elle bien être? Et que lui est-il arrivé? Aucune importance, elle incarne surtout l'occasion que je guettais. Je suis parvenu à la traîner jusqu'à la hutte, à la déshabiller et à la cacher derrière les sacs dans le coin. J'en ai assez de gaspiller mon talent pour des pécadilles. Il est temps de passer à l'action. Je me suis servi du plus grand tube à essai de la boîte du maître, celui qui s'accompagne de l'avertissement en cas de contact avec la peau, lavé à grandes eaux. Ah, ce vieux fou a peur de tout. J'ai répandu son contenu sur le corps de l'elfe et j'ai commencé à observer ce qui se passait. Putain, mais quel enfoiré. Une belle raclure. Bien content que tu sois mort, toi. Mort ou morte, je sais pas, mais... Il fait pour ta gueule. Donc là, il y avait rien, ouais. Donc je vais aller affronter, je pense, les loups. Et les... Et les sortes de tigres qu'il y avait, les tilacines, précisément. Hop là, les loups sont là. Ils attaquent en premier. Ils vont sur Valérie, ça me va. Inspiration vaillante. Hop. Vas-y, va se reculer un peu. Ils attaquent Valérie, c'est parfait. Raté, super, parfait aussi. Octavia. Ah, il y en a un autre derrière, merde. Octavia va se décaler. Il va falloir ses sorts. Ouais. Arc tempétueux. Ouais. Un des trois.
1 des 3, je préfère souvent utiliser le givre, moi. Je commence à me dire que ça ralentit, alors que ça fait peut-être pas ça. Échec, GG une fois de plus. Ok, tout le monde sur Valérie, c'est parfait. Alors, Régongar, là, vous savez quoi? Vu qu'il est au corps à corps, là, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne touche pas Valérie, quand même. Mais je vais tenter ce sort, là. Yes, fight, Tatel. J'essaie de faire le feu, là, ça va toucher tous. Ça va tous les toucher, j'essaie juste de pas toucher Valérie. Main brûlante, jet de réflexe réussi. On est d'accord, je vais pas toucher Valérie. Hein. Quoique. Non, je crois que c'est bon. Non, Valérie est full life. C'est cool ça. Ça c'est quoi? Ce sort entoure le sujet d'un champ de force invisible mais tangible qui lui octroie un bonus d'armure de plus 4 à la CA. Autour de Pidgey, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il faut que je retrouve ma bénédiction. Attends, j'avais vu un sort qui avait l'air cool en vrai, dont je me sers jamais. C'est quand même un sort de niveau 0, donc je peux le spammer. C'est quoi ma bénédiction de... Non, c'est un truc de groupe. Je l'ai pas en fait, peut-être. Non. Je pensais avoir un truc de groupe comme ça, mais en fait, non. Bah, je vais aller faire mon... Mon assistance divine bah, sur Valérie parce qu'elle est au corps à corps. Voilà, et je vais me reculer. Assistance divine. Un bonus d'aptitude de plus 1 sur un jet d'attaque, un jet de sauvegarde ou un test de compétence. C'est toujours ça de prix. Amiri. Ok, elle fait les dégâts, nice. Échec sur Valérie. Lindsay, elle va shooter ce qu'il y a à porter. GG, ça touche. Échec sur Valérie. Et Valérie est tank. Enfin, elle encaisse. Enfin, elle esquive plutôt. Ok, GG. Valérie, elle a touché. Peut-être grâce à mon truc en vrai. Be right back, ça marche, Tatel. A toutes. Alors, j'ai peur que si je la fais. Je vais bien préciser. Comment je peux préciser de faire une auto-attaque? Parce que quand je fais clic droit, là, ça sort, là, ça envoie une boule de feu et ça m'énerve. J'ai pas envie d'utiliser des sorts de rang 1. Bon, je vais tenter. Donc, clic gauche. Alors, attends, est-ce qu'elle a un malus? Tire au corps à corps. Ouais, mais ça, je pense c'est parce qu'il y a du monde autour. Bien joué, Régongar. Pour l'instant, on a perdu aucun PV. Hein. Qu'est-ce qu'il joue après? Amiri. Eh ben, Amiri, du coup, je vais aller lui faire... Vraiment, ça vaut le coup, ce sort. Hein. Assistance divine. C'est stylé, en vrai. Hein. Et du coup, Amiri... Eh ben, elle rate quand même. GG. Mais pourquoi j'ai ça d'actif, aussi? Bon, là, je vais le remettre, mais... Un malus de moins 4 sur ses jets d'attaque et ses manœuvres offensives. C'est peut-être pour ça que je foire tout. Elle est en combat sur la défensive depuis le début. Enfin, depuis que je joue, je crois. Allez, Lindsay. Tu peux annuler ça aussi. Bien joué, Valérie. Octavia. GG. Attaque sournoise, elle a mis en plus. GG, les copains. Bon, par contre, attends. Ah ouais, c'est débile ce que j'ai fait, là. Oh, vous tchatchez un peu trop, là. Fermez-la. Par contre, démoralisation, éloquence, je pense que je m'en servirai pas beaucoup. Ça non plus. Je vais mettre mes soins le plus à droite. Putain, j'ai mon oreille qui se bouche, là, relou. Enfin, pas tous mes soins, mais... Comme je dis, il y a notamment ça que je veux garder, parce que c'est stylé. Peut-être aussi ça. Là, c'est soin léger, soin modéré, ouais, c'est mes sorts de niveau 2. Peut-être que je peux mettre l'un ou l'autre, là. Un point de vie temporaire, ouais non. Mettre ça, je pense plutôt.
Alors, donc j'ai pu voir hier qu'on pouvait écorcher. On peut le faire qu'une fois, ok. Ça récupère des pots. Attends. Gravir la colline. Ah. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup? Je vais le faire, en tout cas. Petite sauvegarde avant, au cas où. C'est donc Octavia qui s'en charge. GG. Qu'avons-nous là? Encore un jeton de la dryade. Potion de rapetissement, pic de guerre lourd, potion d'armure de mage et de la thune. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah, une mythe. Il y a des mythes. Ah, c'est peut-être le camp des mythes ici. In due time. Qu'est-ce que c'est? Les racines qui bloquaient jusque-là le passage se sont écartées, par magie ou à l'aide d'un mécanisme inconnu. Hmm. Ça m'intrigue tout ça. On va y entrer. Bah non, je suis pas tombé dessus donc. Je trouve que c'est un peu du cheat ce truc là où ça te propose de tout loot ce qui reste dans la zone, ou alors c'est des trucs qui sont pas... où t'es passé à côté mais t'as pas... Ah, t'as peut-être pas vu. C'est peut-être des choses dont t'as été apporté mais... Parfois il vous arrivera de vous retrouver dans des endroits sombres comme des cavernes ou des catacombes. Pour éviter de vous y perdre, vous pourrez utiliser des torches, des lanternes ou un sort de lumière. J'ai effectivement un sort de lumière. Que je vais appliquer sur Valérie. Et un autre sur Amiri. Et c'est moi qui suis derrière, donc un autre sur moi. Hop. Voilà, là, si on voit pas bien, là. Ah non, je peux l'appliquer que sur une cible. Bon, je vais mettre sur Régongar, alors. Ouais, je peux pas le mettre sur plusieurs cibles à la fois. Régongar, c'est celui qui est le plus au milieu de nous tous. Après, je pense que le mieux, c'est en vrai, c'est de mettre sur la personne qui ouvre le chemin, mais... 1000 pas de géant. Bon, ils ont l'air gentils. Breloque doré, potion de disparition, boucle d'or et en or, parchemin des charges électriques et de la thune. C'est étrange comme endroit quand même. Ah, bah, celui-là il est pas gentil. Lindsay. Est-ce que j'ai réussi mon jet de connaissance? Connaissance nature, 1000 pas de géant. De constitution. Ah, j'ai pas... Par contre, je sais pas combien il a de PV du coup. Ok. Peut-être parce que je l'ai pas encore... j'en ai jamais tué encore. Régongar. Bon, tant qu'on n'est pas. Donc il est pas venu à nous, on va rester à distance. En tout cas pour les ceux qui peuvent taper à distance. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est Régongar encore là? Il peut retaper? Non, on est d'accord. Fin du tour. Pizzi. Vas-y, tente. Bon, GG Pizzi. Oh. Quel sniper. Pour une fois. Oup, oup. Ah bah là, ils sont beaucoup, là. Ok, là, Belindy a peut-être buff un peu. Octavia. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Octavia? Je lui ai pas mis main brûlante du coup. Oh, ils sont beaucoup là. Hein. Attends, du coup. 6 points de vie. Oh oui, bah ça va, ils sont nazes. Attaque sournoise. Bah elle l'a tué, voilà, GG. Ça va, ils sont nazes. Ah, par contre, il tape Amiri, c'est chiant. Là, c'est à qui de jouer Amiri justement. Putain, mais elle rate encore! Non, pas sur Amiri! GG Valérie.
Non, mets-toi là, ouais. Mets-toi même encore plus près. Faut que ce soit toi la focus. Petit va tenter un coup. Alors décale-toi un peu, peut-être. Hop là. Oh putain, c'est des merdes, ceux-là. D'avoir une CA pourrie en plus. Vu comment je les éclate. Tant mieux. Ça m'arrange. Merde, y'en a encore d'autres. As it should be. Il y en a des gentils, il y en a des méchants, je comprends pas. Ah mais je peux leur parler à eux. Eh, hey, moi connaître vous, salutations. Absorbés par leurs tâches, les mythes ne vous accordent pas la moindre attention. Prêtre mythe. Absorbés par la... Oh, ok, pareil. Bon. Mais je peux leur parler, je suis con, j'aurais dû le faire depuis le début. Attends, c'est quoi ça? C'est pas du loot, ça? Apparemment, non. Alors par contre, j'ai remarqué du coup une faille dans ma compo, dans ma... Ouais, dans mon... Ouais. Aïe, aïe, il y en a partout. Ça, heureusement, ils sont nazes. Hein. Ça fait du free XP en vrai. Octavia. Octavia, bah tant qu'elle peut les one-shot... Ah merde, elle n'a pas one-shot. Bon, Amiri là, je... Amiri, elle fuit pas le combat. Amiri, quoi qu'il arrive, même si elle... Même si ça lui contraint à de tanker les ennemis, elle y va. Là pour protéger Amiri. Raté, super. Sur Valérie, c'est raté. Lindsay. Enfin, en vrai, du coup, j'ai pu constater que il n'était pas bien dangereux. Coup critique de Lindsay, 8, GG. Donc j'ai pas besoin de claquer mon buff là. Pizzy va s'y mettre aussi. Maintenant, il va tirer entre ses deux potes. Ça passe, 3 de dégâts, c'est pas incroyable. Valérie ratée, c'est con. Échec sur Valérie, échec sur Amiri. Octavia. GG. Amiri, elle retourne. GG. Fragongar, il va y aller au corps à corps. Et GG. Donc oui, comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une petite faille quand même dans ma compo. C'est le fait que Valérie ne soit pas en front lane seule. On va faire ça. Et là, je pense qu'on est pas mal. En vrai. Ça a du style. Alors mon côté maniaque ressort dans ces cas-là, hein, je vous le dis. Moi j'aime bien. C'est joli. On n'est pas là pour faire joli, mais... Putain, mais c'est grand en fait cet endroit-là. Oh putain, attends, fais gaffe. Non, mais reviens là. Mais je pense qu'il y a un endroit où je peux rencontrer la reine des mythes, là. 2 semaines et pas un seul écureuil attrapé. Eux tous morts peut-être? Je sais pas où ça me mène, mais c'est peut-être à la suite de la grotte là. Sentinelle mythe. Mais on loot chez eux, ça les dérange pas? Ça a pas l'air, c'est quoi ça? Porte, ouvrir. Notre grand héros chevauchait araignée, mais lui tomber dans trou et mourir. Pauvre araignée, ça trop triste. Ok. Ça m'intrigue, c'est quoi cet endroit là? Porte, ouvrir. Focus on the goal. Mets ça sur Valérie plutôt. On va aller là, je crois. Vous parlez reine, si elle pas d'accord, nous pas laisser entrer. Ah d'accord, on doit d'abord parler à la reine. Ok, j'ai compris. On doit parler à la reine, si elle est d'accord, on pourra rentrer, sinon, non. Ah mais on l'avait vu lui, Sénéchal Vagik. Vous parlez reine, si elle pas d'accord, nous pas laisser entrer. Ah bah elle est là la reine. Majestifique reine guerrière, Bda accueillir allié chez elle. Juste à temps allié,
Chaman, pauvre violette, faire mauvaise magie devant nez de vous. Attends. Juste à temps, allié. Chaman, pauvre violette, faire mauvaise magie devant nez de nous. Et puis, fuir dans salle sacrée de Sycomore. Lui avoir relique clé sacrée. Et Kobold voler relique à nous. Pas pouvoir suivre maintenant. Vous bien vouloir aider nous? Comment faire pour atteindre la salle du Sycomore? Mes gardes, laissez passer vous jusqu'à porte, mais vous avoir besoin relique. Deux exister. Une volée par Pauviolette, ou être deuxième? Moi pas savoir, mais peut-être chef Kobold. Comment puis-je vous aider à remporter cette guerre? Vous battre chef écaille de suie, moi récompenser généreusement. Kobold tout stupide. Si chef mort, nous gagner. Moi vouloir couper tête de vieux fou moi-même, mais lui pas venir combattre. Peut-être lâche ou pas si fou. D'accord, je vais tenter d'atteindre leur chef. Ça courageux! Pas avoir peur massacrer et torturer ennemi. Pardonnez-moi ma reine, mais je dois m'en aller. Ok. C'est ça, hein. Livrer Tartuccio mort au vif à Castel. On peut looter, hein. Les mythes présentent à leur reine le butin le plus précieux ainsi que les babioles les moins cassées. Donc on a éventuellement accès à cet endroit, mais... alors on a quoi? On a rivalité amère. Tartuccio a été vu pénétrant la salle sacrée située sous le vieux sycomore. Pour y entrer, il nous faudra mettre la main sur la relique mythe, aujourd'hui en possession des kobolds. Pendant que nous affrontions les vœux de Sangina... Ouais, ok. Tuer le chef kobold écaille de suie et en informer notre allié, la reine des mythes. Ok, donc faut qu'on sorte d'ici de toute manière. Je sais que j'ai peut-être pas fait le tour de la grotte, mais... en vérité... est-ce que je le souhaite? Je sais pas. Là, on va aller à l'essentiel, je pense. Je vais tellement m'y perdre, de toute manière. Non, là, je sais que là, j'y suis pas allé. Tiens, il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais je prends... Du beurre. Kobold va dans le tunnel et tombe dans piège de lui. Haha. Blague trop nulle, tapé pour apprendre à faire blague plus rigolote. Plus de moi, plus drôle que de toi. Hachis parmentier. Oh. Ah, c'est une recette. Je sais pas que c'était possible ça. Copier recette. Attends, plutôt. Donc c'est elle qui a appris la recette, hein, c'est ça. Un truc ici. Anneau de topaz. En sang et de la potion. En fait, je pense qu'ils apprivoisent certains des mille pattes géants, mais pas tous. Hello, tu Ragnar. Comment vas-tu? Pardon. Du riz. Putain, ils savent faire des hachis parmentiers quoi, les mythes, ils sont bons. Hein. Un corps jeton de dryade. Alors ça c'est quoi? Les mythes ont cloué des cadres de fenêtres au mur de la grotte et plein de décors naturels au milieu. Les cons. Ça va et toi? Ça va, écoute. J'avance tranquillement dans le jeu. In due time. J'ai pris une décision pour mon perso. Bon, pour l'instant, je peux pas la mettre en œuvre, mais à l'avenir, je m'en occuperai dès que je le peux. Je pense que c'est par là. Si, en fait, je vais finir des... Je vais continuer à explorer. Enemy approaching. Choix du jeu, conseil pour un prochain stream utilisé. Une petite session sur le premier Kotor. Alors, où est-ce qu'il se... Où est-ce qu'on... Est-ce qu'il est payant? Je pense que oui. Et Octavia, GG, attaque sournoise. Ça l'a pas tué avec 5 de dégâts? Chelou.
Elle a raté? Ah non, 4 de dégâts. Putain, mais on va les laisser à 1 PV tous, là, je sens. Alors oui, je vais te dire le prix. Putain, ça rate tout. Et merde, c'est Amiri qui prend. Putain, 3 dégâts, mais on est nul là ou quoi? Tu l'as fait venir toi. Allez hop, ça dégage. Ah non, il tape Gongar. Putain, le con. Que j'ai. Lindsay. GG. Valérie. GG. 8,19€ sur Steam, mais sûrement, je peux sûrement le trouver moins cher. Bah ouais, en cas de promo. Peut-être. Est-ce que tu peux me présenter vaguement le jeu, sans me spoil, hein, bien sûr. Est-ce que tu peux me présenter rapidement le jeu? C'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, on s'est servi de cette commande pour me proposer des jeux qui, j'avoue, qui ne... Après, c'est le jeu aussi, hein, c'est... Quelque part, normalement, si je mets cette commande, c'est que je m'engage à respecter les jeux qu'on me demande. Mais... Enfin, j'ai juste précisé... Mais du coup, KOTOR, c'est Knight of the Old Republic. J'en ai entendu parler, je crois, de ce jeu. Je crois que c'est peut-être le meilleur jeu Star Wars, il me semble. D'après ce que j'avais cru entendre. Ou alors c'est le 2. Est-ce qu'il y a un KOTOR 2? Non, je crois que c'est KOTOR 2 que j'avais entendu, peut-être. Je sais pas exactement. Parce que je te cache pas, je vais peut-être pas pouvoir... Enfin... J'imagine que c'est un jeu qui date. Et donc, s'il date, il doit être souvent en promo quand il y a des soldes Steam, j'imagine. Ok, GG. Reste plus que lui. C'est fait. Donc moi, de l'idée que je m'en fais, c'est du RPG Star Wars, j'imagine. Mais ouais, j'en ai... Alors, que ce soit celui, le 1 ou le 2, j'en ai beaucoup entendu parler. En bien. Ce tas de détritus répugnants semble servir de centre de triage au mythe. Là, ça me fout. Ah. Statuette en argent. Alors, ça se passe dans l'univers légende de Star. Un peu plus de 3000 ans avant la bataille de Yavin, tu te trouves dans un vaisseau de la République attaqué par un... Par les sites de Dark Malgus au-dessus de la planète Taris, et tu vas devoir t'en sortir. Alors, ça me. C'était pas forcément au niveau de l'histoire que je demandais des renseignements parce que je suis pas du tout calé sur Star Wars. C'était plus bah, le gameplay, tu sais, le style de jeu. Un peu plus. Un peu plus général, quoi. Merde, Valérie, elle est derrière. Hop là, ça c'est fait. Allez, elle va se mettre en opposition. Je crois qu'elle a sa charge, non? Il n'y a plus personne à porter, ça c'est con. Lindsay va tenter. Elle a touché, mais 5 de dégâts. Je crois qu'ils ont 6 PV. Ça ne suffit pas. On peut le terminer, ça aussi bien. Yes, re-tetel. Hop là, GG Pidgey. Amiri, il n'y a personne à porter là. C'est un RPG où énormément de tes choix ont différentes conséquences sur la manière dont les autres te perçoivent sur la fin de ton propre alignement. Ok, c'est cool. Ça me plaît, ça, dans l'idée. J'imagine que c'est pas du tour par tour, ça doit être du... This is for you. Du, comment dire, du action, RPG action. Onward. Genre en temps réel et tout. Oh non, Valérie. Après, on est plusieurs à pouvoir tirer, là. Voilà, GG.
Alors le problème c'est que si le jeu me plaît et que je veux le continuer, ça va encore être un jeu en plus hein, en ce moment. Est-ce que t'as des exigences, alors des exigences entre guillemets sur Ragnar, sur le moment, la date on va dire de jouer à ce jeu. Apparemment quelqu'un ou quelque chose a tenté de se frayer un chemin à coup de quenotte, parfois avec succès. Si tu as des... pas des impératifs mais... je sais pas. Puis, du coup, très honnêtement je préférerais le prendre en promo tu vois. Je pense qu'on doit le choper pas cher. Gardez des portes, je vais lui parler lui. Il est important. Le gameplay est un peu vieillot, c'est en temps réel, mais tu ne cliques pas pour auto, tu choisis tes attaques en fonction de tes compétences, etc. Un système de stratégie de pause à la Mass Effect. Ah. Ok. Packerette, toi venir. C'est bien, Chopinette. La mythe préposée à la garde de la porte vous sourit en vous apercevant. Elle se tourne vers vous en oubliant un instant son mille pattes de compagnie. Salutations, alliés. Vous venir. Reine guerrière Bda, attendre vous. Elle pousse un petit soupir de plaisir. Reine aussi belle que jolie mille pattes. C'est qu'elles sont collantes ces bestioles-là, j'ose pas imaginer leur partie de pattes en l'air. C'est sûr qu'elles doivent prendre leurs pieds, non, ce serait nul. Bah je vais garder... soit je garde le silence, soit je dis quand je serai baron, je promulguerai une loi interdisant les jeux de mots. Ah non, j'ai cru que c'était Amiri, mais c'est Régongar en fait encore. Bah c'est BioWare qui a en partie fait le jeu, ok. Alors. Ah oui, donc c'est du EA, ça. Enfin. Ah non, je sais pas si c'est du EA. Peut-être pas forcément. Je garde le silence encore. Voyant que personne n'a relevé la plaisanterie, Regongar fronce les sourcils et laisse échapper un grognement de dépit. Qui a-t-il là-devant? Trousse ou vieux sycomore, là que vivre nous et nos animaux. Attention, plusieurs animaux encore sauvages. Et grand trou très dangereux. Devant, c'était passage des kobolds avant. Mais maintenant, tout cassé. Kobold faire tomber pierre, alors nous, lever pont. Depuis, plus passage. Ça triste. Gros coffre dans passage. Grand trésor, mais perdu maintenant. Savez-vous où se trouve Tartuk, le chaman kobold? Chaman pauvre violette? Moi, pas savoir. Lui venir chez nous, lancer magie. Reine chasser lui. Et elle savoir où lui être. Oui, je vais demander à la reine, ouais. Comment faire pour atteindre ce passage détruit? Abaisser pont, pas bien. Kobold utilisé pour s'enfuir. La créature réfléchit quelques instants. Passer marcher avec allié, oui. Vous vouloir passage? Moi vouloir joli casque. Vous descendre passage du bas, tout au fond. Là, grosse araignée morte. Elle monture de notre grand héros, jusqu'à ce que lui mourir. Vous rapporter mâchoire de l'insecte à moi, moi donner levier pour pont. Vous prendre coffre avec butin, moi faire casque avec bout d'araignée. Trop bien, non? Je peux pas lui dire oui. Bah, je dois partir, au revoir. Non, c'était avant le rachat. Ok. Ça m'arrange parce que j'aime pas trop. Je suis pas méga fan. Oups. Personnellement, je préfère le 1 au 2, même si le 2 a de très bonnes idées et des mécaniques intéressantes. Il n'est juste pas fini. Ok. Bon voilà, comme c'est un jeu... comme c'est un jeu que je ne me procurerai pas par choix de moi-même, on va dire. Je vais pas te mentir, je vais quand même attendre une promo. Je vais le mettre dans ma liste Steam. D'ailleurs, je vais le faire de suite pour pas oublier. Alors, je vais lire ça, je vais sauvegarder, au cas où il y aurait un crash, on sait jamais. Et je vais le mettre dans ma liste Steam. Mais comme je fais un peu gaffe niveau thune, voilà. Si je peux l'avoir en promo, c'est toujours mieux que plein pot. Alors, apporter à la mythe préposée à la garde de la porte les mandibules d'une araignée géante des profondeurs des cavernes. Ah, ça m'intéresse, ça me plaît. Des petites quêtes comme ça, peuvent être sympas. Une sauvegarde, j'ai dit. Pause, échappe. Steam.
Magasin. Knight of Star Wars Jedi. Non, Star Wars Knight of the Old Republic. Attends. Knight of the Old Republic, ça doit être celui-là, je pense. 8-19, mais les deux sont à 8-19, mais là je vois un 2. 19 novembre 2003? Je voudrais voir des images de gameplay. Ah oui, ça, oui, c'est vrai que le gameplay a l'air vieillot. Oh. Yeah, ok. Bah, pas ajouter au panier, mais ajouter à la liste de souhaits. Tu m'en veux pas, hein, si je tente de me le procurer en promo plutôt que plein pot, hein. En plus, en vrai, je dois une session Overwatch à Sliders aussi, on a toujours pas mis ça en place. Du coup, il y a Clicard qui m'a demandé du Assetto Corsa. Je pourrais éventuellement le faire, même si j'avoue que ça m'enchante pas de ouf. Bon, c'est par là qu'il faut que j'aille? Le truc c'est qu'on s'habitue vite car l'histoire est assez intéressante. Après c'est un jeu de mon enfance donc mon avis n'est pas du tout objectif. Ah je comprends ouais, c'est... Quand il y a la nostalgie qui interfère c'est tout de suite différent. Ah mais je suis pas... je suis ressorti là. Bon on va re-rentrer. J'ai probablement pas tout exploré, j'imagine. En fait, chaque porte de sortie nous emmène à la sortie. Enfin, chaque porte qui peut... On peut supposer que ça nous emmène ailleurs, bah ça nous emmène vers la même sortie, en fait. Elles sont toutes reliées à la même sortie, j'ai l'impression. Ce qui est assez étrange. C'est quoi ça sur la map? Vers les tréfonds du vieux sycomore. Ah bah non, vers les tréfonds du vieux sycomore. Extérieur. Ah ok. Est-ce que c'est vers les tréfonds qu'il faut que j'y aille du coup? Qu'il faut que j'aille? J'imagine hein. C'est cool, il dure longtemps le sort illumination. J'ai pas besoin de le spammer. Après, je peux aussi continuer à aller visiter en bas là. Extérieur. Tréfonds du vieux sycomore. Par là, j'ai pas visité apparemment. Et merde. Ok, Pizzi. Pas décaler plus. J'ai oh, coup critique 17. Pouh, de la part de Pizzi, ça se note. Ça. Oh, il a fait un 20 naturel. Ok. Et eh ben GG. GG Pizzi. Je t'applaudis. Super. Bon, Régongar, décidément, il est vraiment, il a l'air d'être vraiment plus doué au corps à corps que... Ah putain, j'ai essayé de me mettre pourtant dans l'espace, quoi, pour pas rater. Ah, il tape Amiri, putain, fait chier. Chiant, ça, Octavia. Flingue plutôt les distances, vu que les corps à corps, ils sont déjà devant. Raté. Valérie. Raté, super. Moi, il se met devant. Pizzi de nouveau. Il y en a un autre quelque part, là. Ah non, il n'y en a plus qu'un. 37 sur 41. Bon, je vais tenter de tirer à bout portant, ça m'étonnerait, mais... Ouais. Die for me. Ça, c'est des monstres très faciles pour moi, ça, honnêtement. Ils sont one-shot ou quasi one-shot. Follow my lead. Mais ça fait du free XP, hein. 9 XP gagnés. Je t'ai envoyé la clé. Non.
Non, par contre, c'est pas le but, ça, tu Ragnar, que vous vous achetiez à ma place. Ah, ça m'embête. T'as envoyé ça où? Raté. Bah... pas grave, on m'a offert l'abonnement. Ouais. Ouais, mais c'est pas moi qui t'ai offert l'abonnement. Ah, je suis toujours gêné quand on m'offre des trucs, moi. On me paye des trucs. Pareil pour les abonnements, justement. Oh, j'ai Lindsay. Attends, dans ce cas, je vais aller voir et je vais aller... je vais m'écarter un peu, comme ça les autres auront le champ libre, voilà. Je vais décaler comme ça. Ah bah, de toute façon, ça a dû se régler, je pense. Voilà. Alors, attends. Et du coup, t'es... en chuchotement sur Twitch. Ok, bah... bah, je vais récupérer ça, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'était pas le but recherché, mais ok. Mais j'ai encore moins d'excuses là, du coup. Moi. Mais du coup, t'es fan de Star Wars, on va dire? Ok, j'ai. T'aimes bien. T'es assez fan de Star Wars? Peut-être? Peut-être pas, peut-être c'est juste ce jeu-là en particulier. En ce moment, j'ai aussi commencé il y a pas longtemps Star Wars Jedi Fallen Order. Ajouter un produit, activer un produit. C'est un jeu qui... alors j'étais, mais c'est un jeu qui m'a rendu fan. Ok, tu l'étais déjà, t'aimais déjà bien, mais ça t'a rendu fan carrément. Moi, ça va, il fait 3 gigas. 56 secondes à télécharger, d'après les estimations. Alors, je vais pas le faire maintenant. Bah écoute, attends. Sans catégorie. Ma bibliothèque Steam est assez rangée. Knights. Il est où? Star Wars, ah oui, il y a Star Wars devant, ok. Merde, je vais mettre ajouter à... non. Ajouter à affaire, voilà. Je le mets dans mes jeux affaires. Non, j'étais fan jusqu'à il y a 2-3. Mais le nouvel univers, Arche du Mal. Depuis Disney? Alors moi, j'ai jamais été fan. J'ai toujours aimé, en fait. Sans être fan pour autant. Mais les Disney, c'est... c'est pas possible pour moi. Le seul que j'ai regardé... enfin, j'ai commencé à regarder, je sais plus, le premier, je crois, Le Réveil de la Force, ou un truc comme ça. Ça m'a saoulé, je suis pas allé au bout. Et puis on m'a dit, franchement... des derniers, le mieux, c'est Rogue One. Il y en a qui ont dit, ouais, il est trop... franchement, pour le coup, Rogue One, il est vraiment bien. J'ai regardé, j'ai trouvé ça... normal, vite fait. Ça se regarde, mais c'est tout, quoi. Rien d'incroyable. Donc pour moi, Star Wars, ça s'est arrêté à... bah, aux deux premières trilogies, en fait. Au début, même si c'était Disney, bah, je m'en moquais tant que ça apportait du renouveau. Oui, non, après, c'est pas le fait que ce soit Disney, mais c'est depuis la période Disney que je trouve que c'est de la merde. Même si j'ai pas tout regardé, mais ça me donne pas envie de regarder, en fait. Ça me donne juste pas envie. J'ai rien contre Disney, hein, très sincèrement. Le nouvel univers étendu, Arf, je pleure, et les nouveaux films, Burke. Ouais, ça, on est d'accord. Je suis pas un fin connaisseur hein, de Star Wars, mais... quelques instruments de torture grossiers sont posés sur une vieille caisse qui fait office d'établi de fortune. Une boule de cristal. Pum, 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 pum. C'est quoi, ça? Ah, ok, c'est le pont. Il semble manquer une pièce du Troy primitif. Ok. Bon, ça commence à... mais je sais pas où il peut être, le chef. Le chef des kobolds. Oh, il y a un kobold. Alliez, venir avec nous. Alliez, venir avec nous, il a dit, pardon.
Salutations, alliés. Nous, entraînés à viser. Meilleur, gagner récompense. Vous, participez aussi ? Octavia ne peut s'empêcher de grimacer. J'ai vu des nobles, riches et éduqués apprécier le même genre de distraction. Des écailles et des crocs leur iraient beaucoup mieux que leur velours et leur satin. Hé, ma puce, détends-toi. J'en connais au moins deux qui ne porteront plus jamais rien. À part les costards en planches qu'on leur a taillés. Ah, c'est pas faux. Mais il en reste encore tellement en vie. Si seulement on pouvait tous les envoyer ici, au milieu des mythes et des kobolds. Alors je sais pas pourquoi ils disent tout ça. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit ? Oui, je vois, ok, j'ai compris. Vous ne pouvez pas prendre une créature vivante pour cible, même s'il s'agit d'un ennemi, libérez ce kobold. Il est normal de capturer ou de tuer ses ennemis, non de les tourmenter. Achevez ce kobold sans le faire souffrir inutilement. Ah, ça, je suis d'accord. Ah, je sais pas, c'est délicat. Une compétition, j'en suis, c'est toujours plus intéressant de tirer sur une proie encore vivante. Non, chaotique, mauvais. Tout simplement, je refuse de prendre part à vos jeux, je m'en vais. Ah. Vous ne pouvez pas prendre une créature vivante pour cible, même s'il s'agit d'un ennemi. Libérez ce kobold. Bah, je voudrais pas... Non, jusqu'à le libérer, non, je suis pas d'accord. En plus, je suis plutôt dans le clan des mythes que des kobolds. Mais par contre, il est normal de capturer ou de tuer ses ennemis, non de les tourmenter. Achevez ce kobold sans le faire souffrir inutilement. Ah, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut l'achever. Ou alors tout simplement, je me dédouane de toute responsabilité et je me barre. J'hésite. Plus j'ai peur qu'ils se retournent contre moi. Je veux pas leur dire libérer ce kobold et qu'ils me disent « Quoi, vous, amis de kobold, nous tuez-vous » et hop, que ça ruine mes plans. Donc je vais plutôt mettre la 2, je pense. Je réfléchis encore. C'est dégueulasse, oui, de prendre, de faire une cible vivante d'un ennemi. Je vais plutôt mettre la loi à une autre, je pense. Il est normal de capturer ou de tuer ses ennemis, non de les tourmenter. Achevez ce kobold sans le faire souffrir inutilement. Limite sans surprise. Comment entraîner à viser si kobold est mort ? Bon d'accord. Tuez lui et attrapez autre. Putain les cons. Ok, ils sont cons. Je vais le looter du coup, je peux ? Non, je peux pas. Ils veulent le tuer lui et ils vont choper un autre pour faire la même chose, donc ils sont débiles. Même si oui, j'ai bien aimé Rogue One, car ça sortait du mannequinat habituel de Star Wars. C'était pas 100% gentil d'un côté et 100% méchant de l'autre, et ça j'ai beaucoup aimé. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Boire, faut bien que l'ennemi serve à quelque chose. Que les ennemis. Ou alors tu parles comme limite, peut-être. Ouais, mais... Non. C'est pas cool. C'est pas cool. Par contre, c'est hyper sombre là-dedans. Je vais monter un peu ma luminosité parce que... Bordel. Bon, bah on va aller, je pense, vers les tréfonds du sycomore, hein. On va faire ça un peu plus rapidement, on va directement les envoyer à l'endroit approprié. Comment je peux les suivre? Ok, ils arrivent à la file indienne. Donc là, c'est vers les tréfonds. Ouh. Ça promet. Pour l'instant, on a pris quelques dégâts, mais pas de ouf, donc ça va. Je vais mettre encore plus en retrait. Je vais espacer un peu plus ma formation. Là. M'en fous, partir. En tout cas, le sort d'illumination, il dure bien longtemps. Hein. Alors par contre, on m'a conseillé de lâcher un peu la quête principale et de prendre le temps de faire du contenu secondaire. Parce qu'on m'a dit que j'avançais trop vite, j'étais pas du tout en retard pour la quête principale.
Et là, du coup, je sais pas si ça fait partie de la quête principale ou de la quête secondaire, parce que bah, je course quand même Tartuccio, tout ça, c'est dans le but de choper Tartuccio, donc je pense que ça s'approche de... Enfin... Je pense que c'est de la quête principale en quelque sorte. Oula, merde! Bon, je regarderai ça après. Amiri. J'ai... Elle va reculer un peu après. Non, merde. Recule un peu. Voilà, reste derrière Valérie. Oh, 1000 pas de crasher! Oh non, ça va être chiant ça par contre. Octavia. Cool. One shot. Lindsay, elle est un peu loin la pauvre. GG. Oh, ça. J'aime quand les créatures elles crèvent d'un coup comme ça. La charge de Valérie? Non, ça passe pas. Oh, j'ai été con. Je vais mettre ici pour que l'autre m'attaque au bon endroit. Trois de dégâts. Forcément c'est le maximum avec un D3. Petit échec, GG. Mes pattes. Amiri. Ah là, la range, nice. Ah. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais sinon, les Pathfinder ou les Divinity sont pas trop mon genre de RPG, j'avoue que je suis plus dans la lignée des fables Elder Scrolls, Gothica ou Dragon Age. Même si j'ai adoré les trois Diablos. Alors, bah Divinity, j'aime beaucoup. Pathfinder, à la base, c'est pas censé être du tour par tour, c'est moi qui ai installé un mod pour ça. Bah Divinity Original Sin 2, on le fait en ce moment avec Henry, Darklou et Kenneth. On en est à une centaine d'heures, je crois, peut-être même plus, et on kiffe, on aime trop. C'est trop stylé. J'avais commencé Dragon Age Origins... Oui, Dragon Age Origins, je crois aussi. Alors, on est où, là? Ermite, mythe. La mythe vous contemple avec colère, elle siffle. Ah, on va d'être là. On va partir, hein. De toute façon, y a rien, on dirait. Bon, où est-ce qu'on va? Gauche ou droite? Je vais à la gauche. Et les trois Diablos? Ouais, mais après, c'est pas pareil quand même, Diablo et les RPG comme ça. Là. Diablo, c'est du hack and slash, c'est différent quand même, je trouve. Ça touche, mais ça ne tue pas. Pizzi. Faut pas bouger, là? Échec, la PD est naze. L'Origins m'a beaucoup plu, je suppose, car chaque perso que tu prends a une histoire différente en fonction de sa race, de sa classe et de son origine. Ouais, en fait, bon, ça c'est encore classique PD quoi. Je l'ai commencé et, franchement j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé, mais il y a d'autres jeux qui sont passés devant. J'ai fait le début, je suis pas allé bien loin. Mais il y a les replays sur YouTube. Et après, je suis passé à d'autres jeux. Je pense que j'y retournerai un jour, mais bah. C'est un peu. Comme je dis. Ce que je fais assez souvent. Je commence un jeu. Et puis j'ai un autre jeu qui me tente, donc je pars sur l'autre jeu. Et du coup, après, je reviens plus sur l'autre. Oula! Donc, ça, c'est jeu d'athlétisme. Non, c'est pas forcément un jeu d'athlétisme, j'ai l'impression que ça marche quoi qu'il arrive. We will be victorious. Ok. Il y a des 1000 pattes, il y en a deux partout. Hein. Je pense là c'est Régongar qui est devant. Ah bah attends, tu sais quoi? Ça va être pas mal ça. Ah, il touche pas tout le monde? Il les touche pas tous là? Merde. Alors attends. Mais moi je me découvre une passion pour le tour par tour, c'est un truc de fou quand même. J'aime trop ça, je commence à trop aimer ça. C'est hyper tactique et tout et je trouve ça trop cool. Comment ça pose? Un dégât avec Gongar, pourquoi? Il a fait une attaque d'opportunité je pense.
On vient de Régongar, il va peut-être prendre dans la tronche là du coup. Je l'ai mis en première ligne. La charge d'Amiri. Ok, moins un. 19 elle a fait. Octavia. Ok, ça c'est fait. GG. Benzi. GG. One shot. Valérie. La charge un peu lente. Mais la charge quand même. Échec, c'est pas grave. Vizzy, c'était chaud. Un dégât. Super. Ah. Il a réussi à toucher Valérie. Putain, il a fait un bon jeu à mon avis. Ok. Lâche. Ah oui, désolé, j'ai pas mis les commandes sonores pendant ce jeu parce que bah il y a beaucoup de... J'ai peur que ça soit utilisé pendant les dialogues, j'avoue. Ce kobold a été littéralement coupé en deux d'un coup de mâchoire. Oh. Non, mais c'est un vrai dédale ici, hein. C'est un bordel. Tu passes par des raccourcis et tout. Ouais, j'ai un peu peur qu'il y ait les commandes qui soient utilisées pendant les dialogues et tout. Ça m'embêterait. Un sanctuaire secret astucieusement dissimulé aux regards indiscrets. Cloche en argent, pièce d'or. En vrai, avoir monté la luminosité, ça me pète les yeux. Donc je vais la rediminuer, tant pis. Boucle d'oreille en argent, la dernière, ok. Pas de soucis. Après, je peux... Si vous êtes sage, enfin, si vous me promettez d'utiliser à bon escient, non. Je peux mettre, hein, c'est pas un souci. Mais je sais que des fois, c'est difficile de timer... Alors vous avez un décalage vous par rapport au stream, du coup vous mettez... Je sais, c'était elle souvent qui se foire. Elle met une commande parce que ce qu'elle voit au moment où elle tape à l'écran, bah c'est ok. Et puis moi dans le jeu, ça, avec le décalage, ça le fait pendant une cinématique ou un dialogue. Après en soi c'est pas dramatique, mais il y a une grosse traînée visqueuse serpentine dans la poussière. Quelque chose de très gros est passé par ici. Ah, d'accord. Merci pour l'info. Eh bien, on va y aller. Déjà. Est-ce que je peux attaquer direct avec Octavia, par exemple ? Non, je peux pas prendre l'opportunité. Okay. C'est un peu dommage, ça. Le problème, c'est que lui risque de se faire attaquer. Mais non! Pourquoi il a pas fait son sort? Je comprends pas, bon tant pis. Bah, ah non, mais ça va, Valérie jouer après. Hop là, elle va dans le tas. C'est quoi ça? Ouais, un point d'exclamation, je sais pas pourquoi. La range, parfait. On peut là. Elle galère en mobilité, Lindsay, ou c'est moi? Comment ça se fait? Pourquoi elle galère comme ça à se déplacer, Lindsay? C'est bizarre. Ah, 3 de dégâts. C'est pareil, pourquoi elle va me taper, hein? Je m'en vois. C'est pas des trucs bizarres. Il meurt pas lui, avec 3 plus 2, bah non. Valérie, raté. Bah alors. Ah bah Lindsay. Vous allez enfoirer. Allez, Pizzy. Voilà. Putain, 7 de dégâts. Un seul point de dégâts aurait suffi, hein. Octavia. Raté. Raté. GG. Oula. Oh. Ok. 1000 pattes colossales. Ok. On va foutre les buffs là. Hein. Oh merde, y'en a qui arrive de derrière. Oh les raclures. Crachat sur Pizzy, raté. Oh là, c'est l'embuscade là. Alors Valérie, tout de suite elle va se positionner en front lane. Oh, elle a pas pu... En attendant,
Amiri, il y va aussi. Oh là! Après, elle a fait le tour comme ça. Coup critique 36. Wow, nice. Ça vaut le coup. Dragon Guard, il va aller taper lui, qui est en train de taper Octavia. Échec. Ah merde. Il a fait un échec critique d'ailleurs. Pizzi, ça arrive derrière toi. Je te le dis. 5. Ah dommage, il manque pas grand chose. Ah. Oh, mais il y en a beaucoup là, ça grouille. La vache. Lindsay est peut-être un peu loin là. GG. GG Lindsay. Allez, on gère ça. Allez, Valérie. Yes, Valérie, elle met des coups. Bam. Amiri, est-ce qu'elle te. Non, faut taper le gros d'abord. Yes, GG. On met des coups, hein. Putain, il est résistant quand même. Hein. On lui a mis un critique d'entrée. Dragon Guard, il va commencer à s'approcher. Il peut pas, on est d'accord. Hein. Pizzi, là va falloir toucher lui, là, je pense. Let's try this way. Oh, GG. Ça se passe pas mal, hein. Ça se passe pas trop mal. Hein. Pizzi va s'approcher pour aller soigner, je pense. Octavia. Ah, deux, c'est tout. Merde. Lui, il crache sur Amiri, putain, le salaud. Lindsay. Ah merde, que deux encore. C'est vrai qu'ils font pas trop de dégâts, mais. Amiri, elle rate. Valérie, tiens, Amiri. Elle rate aussi, merde. Dragon Guard. Il rate aussi, bordel. Comme je l'ai dit, Pizzi. Oh là là, c'est beau ça. Il rend 8 points de vie, 4 points de vie, 3 points de vie, 2 points de vie. GG Pizzi. C'est du beau healing. Ah non, échec, putain. Aïe. Ah, Valérie, elle a pris là quand même. Putain, les gars. Ah, les gars. La team, quoi. GG Valérie. Amiri. Et corps à corps, on les laisse sur le gros. Hein. Les distances sont censées s'occuper des petits. Oh, GG. On est le gros. Vas-y, prendre la distance parce qu'il est meilleur au tir longue distance, voilà. Il en reste un, non? 4 de dégâts, ok. Il va recracher, je suppose, sur Amiri, voilà. Lindsay va s'approcher, elle a pas trop de portée. Échec. Valérie. Allez, GG a mis un coup critique à 18. Eh ben, il nous a surpris celui-là. Mais ça va, on a bien géré. On a très bien géré. Elle a pas un sort d'illumination elle aussi? Voilà, on peut mettre sur plusieurs personnes du coup. Ah non, ok. Ça ne l'applique que sur un, c'est un peu chiant. Même si c'est pas la même personne qui caste le sort. Bon bah c'est GG ça. Ou est-ce qu'il y avait une raison pour que ce soit gardé ici? Pour qu'il y ait un gros vert comme ça. Une petite sauvegarde serait pas de trop. Pim, 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 pim. Putain, je regrette un peu d'être allé me foutre au soleil hier, limite. J'ai mon nez, du coup, qui a pris un coup. Ah, c'est ça, le casque? Casque abîmé de paladin de Restov. Cet objet appartenait autrefois à un Brévien. Un expert en antiquité le trouvera certainement très intéressant. Ah non, c'est peut-être pas ça. Pic de guerre léger. Du coup, il y avait du loot, simplement. Je parle du nez, là, ça m'énerve. Même, ça me fatigue plus parce que je respire moins bien. C'est relou. Il y a encore des cons là? Putain, mais ça n'en finit pas. Enfoiré, t'as pas mérité. Putain, t'as pas mérité toi? Allez, dégage. What? J'aurais pas dû me reculer avec Amiri en fait. Ok, ça c'est GG. Deux points de dégâts. Lindsay.
Après, il y a encore le temps à Octavia et Valérie de jouer, donc ça va. Voilà, c'est bon. Ah, il y a quand même eu des dégâts pris, là. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est empoisonnée ou quoi? Non? Attends, pitié. Fais un petit... toucher apaisant. Ouais, ça rend pas des masses, hein. Plus 5, bon. À chaque fois que tu utilises ce perso, j'ai l'impression qu'il gueule Slee. Quel perso? Ça doit être Amiri, je crois. C'est elle qui gueule. En chargeant. Il y a une grosse traînée visqueuse serpentine dans la poussière. Quelque chose de très gros est passé par ici. Oui, bon, on l'a affronté juste avant, non? Un truc plus gros encore? Non. J'espère pas. Oula! Grenouilles venimeuses géantes, mais elles ont pas l'air méchantes. Ok, ça va, elles ont l'air cool. Crapaud en or. Oh merde! Ah bah, erreur. Il fallait pas récupérer le crapaud en or. Attaque son as, nice. Oh putain, elles ont l'air balèzes en plus. Merde, je suis con, j'aurais dû taper celle-là, moi. Ok, Valérie, elle tank. Ok, une de moins. Pity. Ah, Pity, attaque d'opportunité, non? Non. Oh, nice. Il se la mange pas. Raté. Super. Ah, mais elles sont beaucoup, en fait, hein. GG. Échec. Elle a bégaye. Critique. Merde, je voulais pas faire ça, je voulais faire électrique, le con. Oh, coup critique 19. Non, pitié. Let's try this way. Ouais, ça m'étonne pas, je vais avoir un gros malus, vu qu'il y avait du monde autour. Ouf, Melindy, elle touche. Putain, c'est quand même appréciable la manière dont ils explosent les ennemis. J'ai l'impression, ils... Je sais pas, c'est cool, j'aime bien. Putain! Raté. Putain, Pidgey est nul. Pour l'instant, j'utilise pas mes meilleurs sorts. Hein. D'ailleurs, c'est récurrent chez moi. J'utilise pas mes sorts parce que je me dis, c'est pas le moment, on trouvera un fight plus difficile plus tard. Mais c'est un peu con. En vérité. Allez, j'ai les attaques sournoises en plus. Raté. Ça m'étonne pas. En fait, j'aurais dû m'en douter en plus que ça allait lancer le fight. Vu que la statue elle avait une gueule de crapaud, quoi. De grenouille. C'est une statue de grenouille. J'aurais tellement dû m'en douter. En fait, au moment où j'ai cliqué dessus, je me suis dit, ah, mais attends. Peut-être ça va déclencher un truc. Ça va pas louper. Je go en game, à plus. Ça marche, tu Ragnar, encore merci hein, pour le jeu, et puis bah on se tient au courant. Quand je ferai ça, je ferai en sorte de le faire à un moment où on se mettra d'accord, je pense. Je ferai en sorte de le faire à un moment où tu seras là. Et bonjour à toi du coup, merci d'avoir été là. Allez, contente quand même. Ouais, ça m'étonne pas. Putain, il y a trop de monde autour là, c'est trop dur de toucher.
Ah mais solide celle-là en fait. Bon, attaque sournoise. Je sais pas si c'est géré quand j'attaque par derrière ou quoi. En réussissant à se frayer un chemin jusque dans ses profondeurs, la lumière du soleil a donné naissance à cet îlot de vie. Putain, ça me rend un peu triste pour les grenouilles, c'était pas méchante. Mais j'ai volé leur idole. C'est bizarre, enfin... Quand tu y penses, c'est quand même un peu particulier, genre... Un objet... matériel, dont les animaux, je pense, n'ont rien à foutre. Qui les énerve quand tu le voles. Et GG pour ton level 11, tu Ragnar, juste avant de partir. Bon, on a eu ça, c'est toujours cool. Est-ce que l'XP monte là avec tout ce qu'on massacre? Bah pas des masses, hein, en même temps on gagne 3 d'XP. Oh, oh c'est 9000 d'XP pour monter au niveau 4. Oh, on est déjà à 6000 mine de rien. Je pensais pas qu'on serait aussi haut. Pim 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 pim. Pim 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 pim. Bon on explore. In due time. Encore des vers. Des mille pattes plutôt. Par contre, on est dans un couloir là pour tirer, ça peut être facile. Hein. Ça passe. Les bugs, y a pas de place. Pidgey. Un soin peut-être. Parce que là. Qui joue après Regonga? Ou une petite amélioration là. Let's try this way. Die for me. GG. Replie-toi derrière maintenant. Là, le tactique. Cracha, oh le salaud. Raté. Lindsay. On va essayer. Ouais, elle a touché quand même. C'est pas si bien visé, mais ça touche. Échec. Pum, 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 pum. Merde. Échec. GG. Oui, c'est un endroit où on est encore pas allé. Vers les grottes du vieux sycomore. Ok, donc ça c'est pour remonter. Donc aucun intérêt. All according to plan. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est étrange ça. Pas un jet de perception ou de connaissance de nature, non? Rien. Avant d'aller là, j'ai quand même envie d'explorer ça. Je pense que là, c'est intriguant. Là, je pense qu'il y aura rien. Ce sera un cul-de-sac ou un truc comme ça, à mon avis. Ah non. Encore des vers. Des mille pattes. On est encore dans un putain de couloir. Je touche. Il demande comment, mais il touche. Il touche. Valérie, elle y va. GG. Ah, c'est tout, il y en a avec deux. Ok. Oula. Ah bah c'est... Butin. Mandibule d'araignée gigantesque. Bah j'ai bien fait d'aller par là. Les mandibules d'une araignée gigantesque qui servait de monture au héros défunt des mythes. Ah oui, c'est vrai, c'était une araignée gentille du coup. Putain, il avait une sacrée monture, hein. Riz doré. Nice. Encore une recette. Et du coup, la recette, je peux la prendre qu'à un de mes persos. Les eaux sombres laissent planer le mystère sur la profondeur du lac souterrain. Bon, on peut pas y aller, c'est ça? Ouais, non. Fragment de collier calciné. Un pouvoir ancien semble émaner de cet objet. Vous avez vraisemblablement trouvé un... Fragment d'artefact. Si vous retrouvez tous les morceaux, un artisan suffisamment doué devrait pouvoir le restaurer pour vous. J'avais déjà un truc comme ça, mais c'était collier ou pas collier?
Fragment de collier calciné. Fragment de collier calciné. J'en ai 3. Faut que je trouve un artisan. Si ça se trouve, 3 ça suffit, non? Je pensais en avoir 2. J'aime mieux que ça, j'en ai 3. Bon, j'ai les crocs de l'araignée pour rendre à l'autre là-haut. Là. Je sais plus ce qu'il a dit qu'il me donnait en échange. Putain, j'ai mal à la tête à pas pouvoir respirer correctement, ça m'énerve. Stop, petite save. Peut-être un petit mouchage aussi. Même si je doute que ça serve à grand chose. Je reviens vite fait. Heureux. Effectivement, ça ne sert pas à grand chose. Ah. We will be victorious. Of course, we will be victorious. Ah, des crashers. Ça, c'est chiant, les crashers. Sur Amiri. Pizzi. A calculated risk. Un dégât, quoi. I'll cut you. Dragon Guerre, il est pratique quand même, il touche souvent. Hein. Amiri va plutôt aller là où il y a le tout seul. GG. Une chose à dire, GG. Oh non, j'aurais tiré sur l'autre. Arrête, j'aurais tiré sur l'autre. Échec. GG. Pizzi, ne me déçois pas. GG. Tim. C'est marrant toutes les plantes qu'il y a ici là. C'est joli. Ça me fait penser à Ori. Je sais pas pourquoi. Ah ben c'est un peu plante. Oh stylé. C'est joli hein. La racine principale du vieux sycomore. C'est là que la graine de l'arbre géant a poussé il y a bien longtemps. C'est super beau ici. Est-ce qu'il y a une sauvegarde rapide? Ah ouais, donc je peux faire ça aussi plutôt que de sauvegarder manuellement, ça va plus vite. Un petit F5. Allez, encore d'autres. Il y en a beaucoup là, je crois. Il y en a pas mal. Mais bon, ça fait du free XP, ça nous va. Valérie. Régongar, là par contre, il y a du monde. Au pire, encore son sort là. Oh merde, ça a bougé. Oh, je crois que j'ai pas touché l'autre. Ça s'est figé, ça s'est fixé sur une. Bon, tu vas se retaper lui du coup. Ah ouais, c'est pas malin ça en fait. Hop là. You can't stop me. Attends. Il y en a beaucoup là en fait hein. Let's try this way. Attends. Ah bah il va aller se mettre devant là. Ok, c'est voir ça. Putain, merde, il a pris une attaque d'opportunité, ce con. Ah, mais il y en a deux là. Hop là, Miri, fais pas dans la dentelle. Hop là. This should do it. Super, un point de dégâts, puis dit. Continue comme ça. Échec. This is where I step in. Échec aussi. Un point de dégâts.
La petite esquive de Valérie. Et Amiri qui éclate sa gueule, 24 points de dégâts. L'endroit a été le théâtre d'une grande bataille entre kobolds et mythes. Impossible de savoir qui en est sorti victorieux. Mais c'est grand ici, hein. Vieille pièce du Rost. Bon, moi, c'est une... Enfin... C'est une session où il y a beaucoup de fights et assez peu de dialogue, hein, pour le coup. Attends, on peut continuer par là? Non, je pense que tu peux descendre de là-haut, mais pas... Je suis où, là? Je suis remonté, là, non? Ah, quoique. Je connais pas cet endroit. Levier de mine. Oh, ce levier en fer est suffisamment solide pour servir à déplacer même les appareils de minage particulièrement lourds. Bah parfait, c'est pour le pont. L'autre va... celui à qui on va ramener le casque va nous donner l'autre, je crois. Enfin, pas le casque, je suis con, les mandibules. Zimar, Kasomir, Opara. Les noms de ces trois cités du Tal'Dor sont gravés sur des plaques métalliques ornant le coffre. All according to plan. Pim, 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 pim. Oh putain. Il y a des spiders cette fois. Et là, c'est peut-être pas pareil, tu vois. Il n'y a pas marqué. On n'a pas fait de test. On n'a pas fait de test. Oh, GG, 6 de dégâts, c'est pas mal. Échec sur Valérie. Échec. 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 Ah non, on réussit, je suis con, c'est ce que je dis. This is for you. Super. La vraie grande gare là, attaque d'opportunité, ouais, s'il essaie de se barrer donc. Hop. This will hurt. Lindsay. GG. Bonne passe. GG. Dommage. Ouf, GG. Il a mangé un peu lui. Mais ça passe. Pudzi, t'es déjà au milieu. Pas mal. Ah, ça c'est bien. T'as bien rendu beaucoup de monde là. Bien, ouais. Pim, 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 pim. Attendez, je vais faire un truc. Bientôt là. Ouais, parce que je vais par où là? Non, c'est pas un bon délire. Pas pour le moment. Je pense qu'ici, en fait, il y a juste un bout de salle que j'ai pas exploré. Je reviendrai par là après. Mais c'est grand, cet endroit. Hein. Alors, une sauvegarde. Parce que, en fait, j'ai publié une vidéo donc sur YouTube de Pathfinder Kingmaker, un épisode, on va dire, une VOD. Et elle était... Ça met du temps, en fait, à être disponible en HD. Donc voilà, là, je vais vérifier... C'est le cas, donc je vais pouvoir la publier. YouTube Studio.
Pim, 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 pim. Je la mets en public. Et je reviens de suite. Ça met vraiment du temps à passer la vidéo de 360p à disponible en 1920p. En 1080p, pardon, 1920p. Alors, est-ce que c'est ok? On met la 9 de dispo, yes, c'est bon. Pim, 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 pim. Donc là, il y a un truc. Et là, en plus, je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait juste un cul-de-sac ici. Donc ça, c'est vers le haut, là-haut. Hein. Ouais, je pense. Mais en fait, ça veut dire que je suis toujours dans les tréfonds. Ok, ok. Donc je clique où pour pouvoir venir. Ah mais ils viennent là, ok. Parfait. Pim, 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 pim. Alors attention. Parce que là aussi je crois qu'il y avait des araignées, voilà. Donc Valérie... Eh merde. Des fois la formation n'est pas toujours ultra... Oh, il y a du monde là. La formation n'est pas toujours extrêmement bien respectée. GG. GG, bon, c'est pas énorme mais... Valérie, fidèle à elle-même. Raté. C'était pas ça que je voulais dire, fidèle à elle-même, mais elle va dans le temps en tout cas. Oula. La mairie, elle a bégayé. Aïe, merde, c'est la mairie qui prend, c'est pas cool. Let's try this way. Échec. Sur Valérie, c'est raté. Regonga. J'avais envie de faire un truc de feu encore là. Un cône de feu. Mais... Alors, le problème, c'est qu'ils vont tous être corps à corps et pour tirer à distance, ça va pas être facile. La preuve en est. Ça rate tout. Ok, GG. Moins une. On a de la chance que ça échoue beaucoup quand même. Raté. Critique. Elles font pas trop de dégâts. Elles sont niveau combien? Est-ce qu'on peut le voir? Points de vie quand même hein. C'est pas rien. Je sais pas quel niveau c'est. Je sais pas si c'est de mon niveau parce que j'ai l'impression que je trouve ça facile en fait. Mais je sais pas si c'est normal que ce soit aussi facile. Oh, GG Lindsay. Oh, GG Amiri. Elle a fait quoi? 20 dégâts, putain. Ça se donne 18 XP quand même. Oh, petit GG. Bon, il a mis 2 dégâts, ça a marché quoi. J'ai pas compris. Allez. Putain, elle est résistante celle-là. Amiri, elle met des tartes quand même. Hein. Bon, ça, on n'a pas pris trop de dégâts. Il y a Amiri qui a pris un peu de dégâts quand même. Piège déclenché. Oh non. Oh, au secours. Elles sont toiles d'araignée. Permanent. Ce sort fait apparaître une grande quantité de fils épais, solides et gluants qui emprisonnent toutes les créatures situées dans la zone d'effet. Ils sont semblables à ceux que tissent les araignées, mais ils sont bien plus vastes et résistants. Les créatures prises dans la toile sont aussitôt agrippées. Quiconque se trouve dans la zone d'effet, au moment de l'incantation, doit réaliser un jet de réflexe. En cas de succès, la créature demeure dans la toile, mais elle n'est pas affectée. Dans le cas contraire, la créature est prisonnière des fils, elle peut se libérer en réussissant un test de manœuvre offensif, d'athlétisme ou de mobilité contre le DD du sort.
On considère la zone couverte par la toile comme un terrain difficile. Quiconque se déplace en son sein doit procéder à un jet de réflexe à chaque round. Les créatures qui échouent ne peuvent plus se déplacer et sont agrippées dans la première case de toile où elles entrent. C'est ça ouais. Chaud. En fait, je pense que c'est tout simplement qu'ils n'ont pas assez de perception. Ces trois-là. Et peut-être qu'avec un jet de perception derrière, on aurait détecté le piège. Et échec du jet de sauvegarde réflexe. C'est stylé, ça, quand même, le piège qui se déclenche. Après, c'est une araignée normale ou... Non, elle a l'air plus forte que les autres, celle-là. Hein. Elle a l'air plus forte que les autres. Mais Pidgey, est-ce qu'il peut vraiment s'avancer? Ça, c'est autour de soi, hein, ouais. Lindsay, pour le coup, elle va buffer. Je sais pas pourquoi Lindsay, elle se déplace aussi difficilement. Pourtant, elle a 9 en mobilité, je comprends pas. C'est peut-être sa petite taille, simplement, mais je sais pas. Ah, elle peut taper au moins. Ah bah ça va, ils peuvent taper. Bon, lui, il a pas le choix. Ah non, lui, il peut rien faire. Il est immobilisé, elle est pas à portée. Bon, ça va, il prend un point de dégâts. You can't stop me. 4. Ah merde, je peux pas. Et je peux pas décider de faire un jet de... D'athlétisme? Comment j'ai su de faire un jeu d'athlétisme? Ah, attends. Non? Je sais pas comment c'est géré pour faire le jet de... Est-ce qu'il y a un truc à faire particulier ou... Voilà, se mettre en posture défensive du coup, si elle se fait taper. Ah d'accord, aussi des jeux de sauvegarde réflexe. C'est elles qui font ça du coup. Je suis pas sûr de comprendre en vrai. Mais... GG. Ok, une de moins. Il a la range, parfait. Il peut pas se barrer par contre. Il reste plus que la grosse. Et quand est-ce qu'on peut le faire notre jet? Ça je comprends pas. Toile d'araignée. Ah, en fait, c'est elle qui fait... C'est elle qui... 8 points de dégâts à Valérie, quand même. Araignée géante, échec du jet de sauvegarde, réflexe. Ah, c'est là que ça se fait. Échec du jet de sauvegarde. Réussite du test athlétisme. Ok, c'est à la fin du tour, en fait. Du tour complet. Je crois. Hein. Bon, il va pas se foutre dans la toile, hein, il est pas con. Donc, il va rester à distance. Lindsay a bientôt plus de buff là, on va arrêter. Mais il peut toujours pas. Rayon de jeu, échec du sort. Ok. Échec. Ouf. Amiri. MVP. Mais on fait déjà de réflexe, des fois il y en a qui passent. Échec du jet de réflexe sans entoiler les autres cibles. On va pas qu'on soit s'attaquer là, on serait dans la merde. Ouf. Une cape. Baguette coup au but. Ragongar peut utiliser ça. Pétale d'herbe médicinale, houblon spécial de la thune, fourreau vide de seigneur des épées de Restoff.
Un expert en antiquité. Ah, puis il s'en sort là, ça y est. Écaille brillante, griffe acérée, vieille carte d'Avistan. Au fait, j'avais eu. Alors, qui est la meilleure? Attends. Érudition monde, c'est ça, hein, je crois, pour la cuisine. 8. À 8 aussi? Mais ouais, mais je vais. Lindsay, c'est elle qui plutôt que je vais monter en discrétion plus que. Je pense qu'Octavia s'occupera de la du repas à chaque fois. C'est pour ça que je vais apprendre le repas. Enfin. La recette là. À Octavia, riz doré. Voilà. Et j'ai donc une cape. Cape de résistance plus 1. Cette cape confère un bonus de résistance de plus 1 au jet de sauvegarde. En général, les bonus du même type ne se cumulent pas. Alors. Donc, Amiri a déjà une cape. Peut-être à Valérie, en fait. Hein. Ah oui, ça lui augmente sa volonté, ses réflexes et sa vigueur. Ouais, c'est peut-être pas mal. Elle est à 9-5-3. Régongar, il est comment? 5-3-3. Ah ouais. 8-4-2, elle est. Je pourrais remettre sur Valérie. Ça lui va bien, en plus, je trouve. Quoique. Bon, c'est pas grave, c'est bien, c'est cool. Pim, 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 pim. Bon, je pense qu'on commence à avoir fait le tour là. Hein. Octavia, GG, elle a raté son jet de réflexe. On va attendre qu'elle arrive. Mais elle a un corps. Et attends, c'est pas de là d'où on vient ça? Faut croire que non. Octavia, dépêche-toi s'il te plaît. Il y a encore d'autres ennemis là. Give the order. Here. Can you make an epic pose? I need inspiration. Ça fight à foison, hein. You deserve it. Boom. Tear them apart. GG. Je remarque que j'utilise pas beaucoup sa magie à Octavia, mais j'ai l'impression que les tirs d'arc sont plus efficaces pour le moment. Oula, j'ai peur qu'elle vienne sur Pity ou Octavia. Là. Valérie. Raté. GG Lindsay. GG Amiri. Bah, GG Octavia, mais ça ne tue pas. Régongar, peut-être pour, la... pour le coup final. Ça fait de l'XP tout ça, hein. C'est cool. Hein. Moi, je suis prêt d'avoir mon level 4 là. Par mon compagnon animal. D'ailleurs, je sais pas si mon compagnon animal il se balade tout le temps avec nous. Ou s'il faut l'invoquer. Je pense pas qu'il faille l'invoquer. Il y a encore ouais, des araignées là. Et là on est allé ou pas? C'est là d'où on vient, non? Ah, il y a un passage là, j'ai l'impression. I am yours to command. To victory. À chaque fois je les fais partir un peu en avance. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais what? Mais c'est une blague, je clique là et elle va en arrière, je comprends pas. This will hurt. Bon, au moins elle touche. Mais j'ai genre pas compris du tout. Let's try this way. GG, puis 17, c'est pas mal. Hein. GG. Je trouve qu'elle fait vraiment mal à l'arc Octavia. Hein. Oh, pas mal. Des monstres. Des monstres. Après, elles ont combien en CA, les araignées, là? 12. Ouais, on arrive facilement à faire des... au-dessus de 12, maintenant, j'ai l'impression. Bon, sauf Pidgey.
Alors attendez, parce que j'ai cru voir sur la map en tout cas. Là, bah, ça a l'air d'être un... juste un petit renfoncement, mais il n'y a pas d'endroit où aller. Non. Laissez passer Valérie, les copains. C'est quoi ça? Décidément, il y a de quoi faire dans cette grotte. Hein. Alors faites gaffe aux pièges, hein, les copains. N'est-ce pas? Soyez vigilants et vigilantes. You see that? Ah. Attention, parce que Octavia s'avance, mais il a régné quand même. Aïe aïe aïe. Ah, ça craint. Mange. Oh non, on va se mettre dans le piège, la conne. Ouf. Octavia, moins 1 de force. Merde. Échec du jet de sauvegarde de vigueur. Ouais. Octavia, le problème, c'est que là, si elle s'en va, elle va se manger d'attaque d'opportunité, je pense. Échec d'attaque, ouf. GG. Un dégât. On va éviter d'aller sur le piège. Bon, c'est bizarre, elle le déclenche pas quoi. Bah Miri du coup bah, va esquiver le piège. Il a été vu, il a été prévenu par les alliés. Raté. Parfait, étape sur... Merde, je me suis trompé de cible. Putain, mais quoi. C'est pas Pizzi qui va la tuer, hein. Bah non. Merde, là aussi j'ai mis ce clic. Quel connard. Aïe. GG. Let's try this way. Raté. Bien joué. Bien joué. Merci. On se regroupe. J'ai un petit heal à fournir la Pizzi si tu peux. C'est pas ouf, je vais pas te mentir. C'est pas ouf ce que t'as soigné là, mais bon. Disons que c'est mieux que rien. La taille de ces structures montre sans le moindre doute possible qu'elles n'ont pas été construites par des kobolds. Effectivement. On débouche sur une autre sortie, c'est ça? Tum 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 tum. Fourreau décoré, protection contre la loi, ancré en argent, anneau de cuivre. Eh bien, on aura tout exploré, hein. Squelette? What? Squelette? Enemy approaching. On a peut-être du save avant. Oh, ils sont beaucoup. Oh, ils sont beaucoup, les cons. This should do it. Zéro réduit, oh merde, ils sont pas sensibles aux dégâts physiques, attends.
J'ai fait 4 de dégâts, faut faire au-dessus de 4. Alors je sais pas combien il faut faire, mais quoi qu'il arrive au-dessus de 4. Là il faut y aller. Lindsay, buff tout le monde. Alors plutôt la magie du coup je pense. Électrique peut-être pas, du givre je dirais. Immunité? Pardon? Froid, immunité. Alors attends, est-ce qu'on a réussi notre jet de connaissance? Parce que là, pim, 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 pim. Attends, mais il y a deux choses, il y a mort-vivant. Alors, voyons voir. 15 de force, 14 de dexte. Bon, le reste, ils sont à 10 partout. 18 points d'expérience, 9 points de vie, donc c'est pas gros. Ils ont 18 de CA, c'est pas mal quand même. C'est même bien. Réduction des dégâts, exception contondant. Ah. Il faut donc des dégâts contondants. Mais on n'a pas de masse ou truc comme ça. Je vais pas taper qu'une torche quand même. Perçant, perçant. Ah mais attends, j'avais pas appris cette recette là. Tranchant, ouais, perçant, tranchant. Putain, je suis con. Ah, j'ai rien de contondant. Perçant, perçant. Comment on va faire? Comment va-t-on faire? On tente quand même, hein, ouais. Aïe. Ok. Ok. Là, ouais, ils sont tous autour d'elle. Hein. Amiri, échec. Ah! Il a réussi à mettre. Donc, les dégâts sont réduits, mais ça peut quand même passer. Attends, je vais voir. 4 dégâts après réduction. Donc, 5. Ils ont une résistance de 5. On va falloir que je soigne, mais là pour l'instant ils sont. Ah, quoi que. Je boost Amiri. Me reculer un peu. Je pense pas qu'elle soit en danger pour le moment. Pas fou. Ah oui, la glissade, putain. Oh, le soin léger, c'est vrai. Lindsay. Soin léger sur Valérie. Oh, plus 8. GG, Lindsay. Bravo. Octavia. Elle a aussi le buff. Non, c'est quoi ça? On va éviter de se retrouver ébloui. Non, on va faire peut-être résistance. J'ai envie de taper à gauche. Putain, mais ils sont beaucoup quand même. Hein. Heureusement que Valérie, elle gère. Elle esquive tous les coups. Allez, Amiri. Ah merde. Allez, quand Régongar il arrive à taper. Oula. Ah lui il s'est énervé, il en a marre de Valérie, il passe aux choses sérieuses, il va attaquer Régongar direct. Ah mais je suis con de faire ça.
Ouf. Ouf. Lindsay. Elle a fait un coup critique. Un G à 19 plus le modificateur de 5. Ah mais elle a un modificateur de ouf en agilité, c'est pour ça que... qu'elle gère de ouf au tir à l'arbalète. Donc elle a fait 1 des 6 plus 2 x 2 égale 15 persan réduit à 10. Bah écoutez, c'est déjà ça, on en a tué un. Donc sur un critique, ça peut passer. Bah, pas là-dessus. Pas là-dessus. Aïe. Allez, Amiri, plein. Lâche pas l'affaire, là, Amiri. Bien joué. Alors, Régongar, il prend dans la gueule, quand même. Hein. Eh mais au fait, c'est des morts vivants du coup. Mais oui. Oh, pitié. Pitié, la providence. J'y avais pas pensé avant. Ok, échec. Attaque sournoise, GG. Avant, il va falloir heal derrière aussi. Ah merde, attaque d'opportunité, putain le con. Allez, Régongar, aïe aïe aïe. Aïe, ça prend la sauce là. Merci Amiri, enfin, elle touche. Raté. Alors Pidgey, c'est très cool, tu peux soigner... T'as un truc pour les morts vivants, mais là, malheureusement, c'est les copains qui ont besoin de soins là. Il y aura combien 4 points de vie, mais de la merde. You deserved it. Putain, elle échoue. You can't stop me. Oh GG. Stay behind me. Oh GG. Ah non, je crois qu'il était mort, putain. Oh Régongar là. Aïe aïe, Amiri ça va encore, elle tient, mais... Putain, Amiri elle touche rien. Régongar là, faut soigner là. Putain, 4 points de vie, c'est nul, Pidgey. Aïe. Bah, je crois qu'un soin léger est de mise là encore. Hein. Ah, Lindsay, elle soigne mieux que Pidgey, quoi. Ça me dégoûte. Oh là là. Oh, ça commence à prendre très cher. Ça commence à prendre très très cher. Et Amiri, elle en touche pas une. Hein. Putain de merde. Pidgey, faut que tu agisses. 10 sur 24, 12 sur 41. Ça va peut-être sortir le soin modéré là. 2d8. Donc 8d8, 16. Et lui, il a dur à cuire, je crois. Donc je vais faire sur Amiri. Dix-sept points de vie. Alors ça par contre, Pidgey là, c'est pas dégueu. Oups. Et Lindsay, encore un soin léger sur Régongar. Putain, c'est tendu ce fight là, j'aime bien. Bien joué. Moi qui disais que c'était trop facile, là au moins... Octavia, je devrais peut-être la reculer là. Est-ce qu'elle a un malus? Je pense qu'elle a un malus. Putain. Touche au moins une fois dans ta vie, Miri. Oh là là, là, c'est la merde. C'est les champions en fait, ils sont différents eux. Tout à l'heure j'ai regardé les squelettes pourris, mais les champions ils sont beaucoup plus chauds, non? Araignée géante toujours. Putain, bien sûr. Araignée géante. Pourquoi je pars d'en haut, moi?
Si je passe sur champion squelette. Non, j'ai pas. Et oui, il doit peut-être falloir que je fasse en sorte que Pidgey fasse ses trucs pour les morts vivants, là. Je suis remonté sur l'araignée géante, là. Réussite du test que pour les squelettes, mais pas sur les champions squelettes. Non. Mais à mon avis, ils sont beaucoup plus forts. Là, c'est qui? C'est Pidgey, justement? Ok. Pidgey, là, il faut. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui les affecte. Ouf. Ouf. Alors ça, c'est violent, par contre. Alors là, ça a fait la diff. Pidgey inflige 12 dégâts à squelette. Champion squelette réussit déjà de sauvegarde. Il a infligé 6, 6 et 6. Information mise à jour. 9 points de vie? Mais non, c'est pas possible. Non, ils ont pas que 9 points de vie, c'est pas possible. Aïe. Lindsay encore, hein. Régongar là il est pas bien. On crame tous nos sorts là. Et Lindsay après elle a plus de soins. Octavia. Putain. Oh là là. Allez Amiri. Putain, s'il vous plaît. Régongar, toi, ça va être la potion. Attends, c'est moi, il a pas de ceinture pour utiliser une potion. Ah si. Après, est-ce que les potions comme ça vont suffire? S'il vous faudrait pas une grosse potion directe. Et en fait, faut pas que j'oublie le truc que Pidgey a aussi. Je crois que je peux en boire deux, non? Yes. Voilà, la deuxième, elle rend que dalle. Pidgey, faut pas que j'oublie. Ça, faut que j'essaye. J'ai jamais pensé à essayer. C'est une baguette de soins modérés. C'est assez fort. Hein. Soins modérés, c'est ça. Hein. Ouais, ça, c'est fort. Ça a 14 charges. Ça rend 2 D8 points de vie. Ça, faut que j'utilise vraiment en cas de dernier recours. J'aurais pu un peu plus tôt, là. Mais du coup, faut les taper, là. Bien joué, Pidgey. Allez, continue, continue. Oh, un champion squelette est mort. Nice. Allez, on avance. On va dire, on peut pas. Les grandes gens, on peut pas vous en vouloir. Réduit, super. Échec, bah enfin, il esquive lui. Amiri. Tiens, dans le dos là, non? Oh, il a réussi, il en a tué un. GG. Derrière Pidgey, est-ce que je fais encore mon truc? Non, je pense que ça passera sans ça. Mais à quel prix? Allez, toucher apaisant. Aïe, putain, mais il m'est cher. Lui. Bien joué, deux points de dégâts réduits, c'est pas grave, c'est toujours ça. Dommage. Échec. Échec. Dommage. De toute façon, je pense qu'on se reposera après. Ça éclate. Allez, là, vu tout ce qu'on a claqué. En tout cas, je suis content. Pidgey, il a franchement beaucoup de sorts hein, pour soigner. Allez, Lindsay, elle y va, même si c'est du petit à petit. Non, qu'est-ce que tu fais? Par contre, Octavia, elle y est plus là. Est-ce que c'est parce qu'il y a son compagnon qui est. Qui oscille entre la. Pas entre la vie et la mort, mais bon, qui est pas très. Pas dans très bonne posture. Allez, un dégât, c'est déjà ça. Pidgey, là, un soin pour tout le monde. Oh, joli. Joli celui-là. Plus 7 là pour tout le monde. Très joli. Oh bah merde, plus 7, moins 7. Quoi. Allez, encore 2 points de dégâts pour Lindsay. Octavia, elle s'en sort pas. Hein. Il n'y a toujours rien. Ah oui, la classe d'armure de la cible, c'est 20.
Bah après c'est à cause du malus de tir au corps à corps. Ok. Au fait, comme un connard, voilà. J'avais oublié d'enlever ça à Miri. Bon, ça passe pas pour autant. Les deux seuls qui touchent, c'est Regangar et Lindsay, je sais pas pourquoi. Bon, c'était chaud. Ah, mais ils ont des putains d'armures aussi, là, what? Ils ont des trucs de fou, ou c'est moi? Enfin, des trucs de fou. Trucs costauds, quoi. Bon, une sauvegarde. J'espère que je vais pas en recroiser d'autres de ces cons, là, parce que putain... Wesh, Kabuto, il veut raise Itachi et les mecs de la Katsuki. Putain, mais franchement, tu... T'avances trop vite, Sliders, là. Il est déter. Ouais. Edo Tensei, je crois. Il a dû dire un truc comme ça. Edo Tensei. Ah oui, sauf que toi, tu regardes en français, escroc. Putain, t'avances méga vite, c'est ouf. Plastron, est-ce que c'est mieux que... Ah, franchement, je me tâte, parce que... Ça baisse de 1 la CA. Ah non, de 2 du coup. Ah oui, c'est une armure intermédiaire, c'est pour ça. Elle est spécialisée en armure lourde, je crois. Et pour Amiri? Ah bah, ça fait moins 4 malus. C'est pas ouf. Non, bah non, bah non. T'avances grave vite, Slider, c'est ouf. Remarque un piège. Follow my lead. Mais non! Putain! N'importe quoi. Normalement, quand tu cliques dessus, si tu sélectionnes tout le monde, il y en a un qui va désamorcer. Ça a merdé là. Putain, quelle connerie. Comme si j'avais besoin de ça là. Par contre, Madara, il a été surpris d'une tombe. Ah. Des motifs de fleurs particulièrement complexes sont dessinés sur les murs. Vous avez du mal à imaginer le temps et les efforts nécessaires à la confection de tels chefs-d'œuvre. Oh, c'est quoi cet endroit? Le passé semble décider à me hanter. C'est quoi? Valérie qui dit « Le passé semble décider à me hanter. Je ne m'attendais vraiment pas à découvrir un temple consacré à Shelin au sein de ses profondeurs. » Qu'est-ce que c'est que ça? Potion résistance à l'acide, bouclier de la foi, c'est notre mal et de la thune. Est-ce que c'est le vrai Madara ou est-ce que c'est son frère? Je comprends pas ce que tu dis. Cette statue a été taillée à même la roche, mais elle a été réalisée avec un certain raffinement. L'inscription indique à notre déesse Shelin dont nous quémandons les dons, ici dans les ténèbres. Ah ouais, bizarre. C'est vrai que c'est bizarre dans un lieu comme celui-ci. Putain, je suis dégoûté pour le piège. Madara, il a été surpris d'une tombe. Est-ce que c'est le vrai Madara ou est-ce que c'est son frère? Ouais, tu te comprends, moi non, j'avoue. Ah mais j'ai plus l'illumination. Bon allez, j'y retourne. Ouais, ça marche, Slider. Bah Madara. Non mais t'inquiète, si tu te comprends, c'est le principal. Y'a un chemin là. Où je ne suis pas allé. Regardez, une voie vers la surface. Ouf, je commençais à me croire tomber dans une oubliette au fond de ces boyaux. Extérieur. Ah, c'est carrément vers l'extérieur. Bah attends, ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas visité encore là. Non! Oh ça c'est des mille pattes, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. C'est là je pense, bonne posture du tout. J'ai des pitié. Ok, c'est toujours sur Valérie. Qui est le mec masqué? Est-ce que c'est bien Madara? Dans ce cas c'est ok. Ou bien dans la tombe? Est-ce que c'est le vrai Madara ou alors ça peut être le frère de Madara aussi? Alors, je pense que du coup, c'est bien ce que je pensais, t'as dû te tromper dans un mot au-dessus, t'as dit « il a été surpris d'une tombe ». Tu voulais dire « il a été sorti d'une tombe », non, plutôt.
GG, Régongar. Hop là, GG. Est-ce que j'utilise des potions? Non, je pense que... Non, surpris d'une tombe, il a dit où l'as-tu trouvé. Ah, ok, ouais. Ça marche. Oui, ok, ça me revient, effectivement. Pim, 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 pim. Est-ce que je me soigne? Est-ce que je fais quelque chose là? Régongar, il a 11 sur 24. Donc je doute que le masque masqué n'est pas Madara. D'accord. Tu penses que le mec masqué n'est pas Madara. Ok. Je vois. Ça marche. Et le mec dans la tombe est le vrai Madara. Ok. Je vois. Ça marche. Alors, Pizzi, qu'est-ce qu'il a à dispo? Ouais, on sait jamais. Hein. On va prendre des potions plutôt pour le moment. Voilà, c'est bien, ça lui avait rendu bien. Merci de ta compréhension. Ah, mais t'es... À l'écrit, tu t'exprimes pas très bien, Gaëtan, je vais pas te mentir. Je sais pas si tu te précipites à écrire parce que t'es pressé d'aller voir la suite, mais... C'est pas un piège, ça? Dans le doute, on va passer à côté. L'inscription indique, en l'honneur du Taldor et des courageux guerriers de la 5ème armée d'exploration disparus, mais pas oubliés. S'ensuit une date, en 2014, de l'âge de couronnement. 2014? Ah ouais, quand même. Ah. Alors d'abord ça. Cette salle est probablement la plus vieille de ces souterrains, et la plus oubliée aussi. La couche de poussière est si épaisse qu'elle forme un véritable duvet. La plaque de pierre reprend sa position initiale. Ça ne marche pas. Tout évident, ça ne marche pas, mais c'est bizarre, je pense qu'il y a un truc quelque part ici. Ouais, je sais, j'ai toujours eu du mal pour expliquer des trucs aux gens, comme au taf. Ouais, à l'écrit. Cette plaque se lève. Ah. Allez, la bise. Ça marche, Gaëtan. Bon visionnage du coup. Peut-être que je te rejoindrai après si t'es chaud. Et au fait, notre match de ce soir est cast si tu veux. Ah, intéressant. Intéressant. Alors au cas où on se ferait alpaguer là, on va rester dépaqué. Pizzi va aller appuyer, non? Ouais, avec Valérie au milieu. Je sais pas ce qui peut se passer donc. Voilà. Oh putain. L'erreur. Oh, on n'a plus rien. Après c'est peut-être pas un cast de ouf. Bah envoie-moi la chaîne si tu veux bien par MP ou tu la postes sur le channel FPS. Oh putain, champion squelette encore. Oh, j'ai plus rien. Ils sont trois. Oh, ça va être chaud. Je sais pas si on peut faire un feu de camp. Mais si jamais tu veux voir, je peux drop le lien. Ouais, vas-y, Sliders. N'hésite surtout pas. Est-ce que ça te dérange si je la mets sur ton Discord? Non, je te disais, dans le channel FPS, si tu veux. Oh, il l'a couché en un coup. Oh. Oh, ça, pitié, il a pas pris trop cher, mais on est dans la merde. C'est grave la merde. C'est grave la merde de ouf. Putain, et ça touche rien. Y'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut. Et puis dis là, s'il s'en va, attaque de panique. Ouais, je m'en doutais. Mais là, faut qu'il se barre là. Et Lindsay, pareil. Hein. Putain. C'est la merde de ouf. Là, le problème, c'est qu'il y en a deux sur Régongar, là. Fear me.
Oh, bien joué, pas mal. 6 de dégâts. Faut pas que je me trompe et que je tape les mêmes après. Nul. Octavia, je sais pas si ça sert à quelque chose que j'aille la relever parce que, de toute manière. Puis il a encore des soins. Hein. Je peux même faire ça là, peau d'écorce. Pour Regonga. Est-ce que ce serait pas le moment d'invoquer mes loups? Là c'est la merde là. Ouf. Ah oui, j'ai encore la baguette. Ça fait quoi ça déjà? Là faut utiliser les sorts. Hein. Là faut tout donner, là c'est chaud. Hein. Ah mais je pense que... J'attaque 27, classe d'armure de la cible 23. Ah, ils ont des attaques de ouf, ils ont modificateur 8. Je pourrais pas encaisser ça, c'est mort. Ça sert à rien d'augmenter l'armure. Et ça fait quoi? Un bonus d'altération de plus 2, bonus d'armure naturelle. Ouais non, faut que je soigne, faut que je fasse des trucs plutôt dans ce genre là. Rapidi est dans le mal, mais il peut tenir là. Regongar, par contre, il a deux mecs sur lui. Oh, GG. Allez, Lindsay, faut qu'elle tape plus tôt. Ou alors, faut qu'elle se débarrasse de. De lui. Aïe. 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 Valérie ne touchera jamais, c'est sûr. Autant qu'elle boive une potion à chaque fois. Allez, Amiri, s'il te plaît. Putain. I think it's time. Mais je sais pas ce qu'ils font comme dégâts. Je sais pas ce qu'elles font comme dégâts, c'est... De toute façon, je m'en fous après. Alors, puis il va aller buff. Il va aller buff Regonga. Hop. Assistance divine. Je suis Ramiri, j'ai l'impression que ça sert à rien. Allez, c'est lui qu'il faut... Je pense que c'est lui qui a pris le plus de dégâts. Oh yai. Oh yai. Regongar, là, par contre, il est pas bien. Par habitat. Non, il rate. Ouais. Oh, joli. Joli, Amiri. Joli, joli. Très joli. Pidgey, là, ça va être la baguette. La baguette sur Regongar. Soit modéré. Joli. Joli Pidgey. Lindsay. Alors lui a pris cher du coup. Ah merde, réduit. Regongar il tient quand même. Hein. Mais il galère. Hein. Oh joli. Oh Valérie qui place un coup là, qui passe. Des dégâts qui passent, c'est... Surprenant. Putain mais combien il lui faut? Je vais éclater tous mes... Non, pas tous mes soins de baguette. Il reste encore ça. Toucher apaisant. Est-ce que après, derrière, je peux faire ça? Ce serait parfait. Je pense pas, mais... Non. Ne m'étonne pas. Ah. Oh, il tape sur Amiri, maintenant. Mais elle a bien dodge. Regongar, il prend trop cher. Le problème, c'est que je peux pas me barrer. Sinon, attaque d'opportunité. J'aurais dû prendre une potion au lieu de faire ça. Oh, il peut. Nice. GG. En plus, ça lui a rendu beaucoup. Hein. Oh putain, mais combien? Combien il lui faut?
Allez Lindsay, fais-moi plaisir. Je sais pas si c'est la merde. Meilleure chose à faire, mais... Putain, échec. Ouf. Ok, donc je vais faire ça pour me dégager. Bah allez. Hop. Valérie a la possibilité de faire ça aussi. Ok. Ou alors si je fais une charge. Ok, ça esquive l'attaque d'opportunité. Repositionnement stratégique du coup là. Je sais pas si c'est malin parce que Valérie en fait elle est dans le mal. Mais Pidgey. Pidgey va faire ce qu'il faut. Elle a combien? 19 sur 40. Allez, boum! On craque des ressources là, mais c'est nécessaire. Hein. You deserve it. Aïe! Ah, si Amiri prendra la gueule aussi. Oh là 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 là! Et la Régongar, il va y aller. Non, arrête! Putain. Voilà, merci. J'allais dire à Amiri, faut qu'elle tape. Je me suis dit, est-ce que je prends une potion? Moi, je me dis, non, Amiri, faut qu'elle tape. Qu'est-ce qu'il va faire, Pidgey, là? Un allié à courte portée. Plus 2 au jet d'attaque, au test de compétences, ou de caractéristiques, au jet de sauvegarde, ou la serre jusqu'au prochain tour. Ah. Non bah encore du soin. Hein. Là c'est Valérie qu'il faut tenir. Passe pas trop devant les squelettes, Pidgey, s'il te plaît. Et là peut-être que je vais pouvoir ressusciter Octavia aussi. Bien joué. Un point de dégâts, c'est toujours ça de prix. Oh ce fight. Un Régongar, est-ce qu'il va vraiment y retourner là? Je dis pas ses sorts à lui non plus là. Je comprends pas en quoi il consiste. Un point de sa réserve magique par une action rapide pour donner un bonus d'altération de plus 1 à l'arme qu'il tient, quelle qu'elle soit, pendant une minute. Ce bonus augmente ensuite de 1 tous les 4 niveaux. Ok. Ah, faudrait que je lise un peu plus ces trucs à lui, peut-être. Et griffes, c'est quoi comme dégâts? Je vais utiliser ça. Donc ça fait quoi? Donc là, je peux les utiliser? Comment je fais? Juste à taper avec? Je sais pas comment ça marche, si je tape avec, là. Ah, je crois qu'en cliquant dessus, ça a marché, là, mais je sais pas. Allez Amiri, allez on y va là. Octavia, chouk, stimulant. Ça lui fait quoi? Un point de vie temporaire, normalement elle a un point de vie là non? Ah mais merde, oui elle est dans le mal de ouf. Je peux pas. Merde Lindsay. Aïe. Non mais tapez pas Amiri là, putain. Régongar, et donc si je fais ça? Faut que je tape à main nue, non? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche les griffes, je comprends rien. Je comprends rien. Alors ça... Par une action rapide, le Magus peut dépenser un point de sa réserve magique pour obtenir un bonus d'intuition égal à son bonus de charisme à tous les jets d'attaque jusqu'à la fin du tour. Je vais faire ça, je crois. Amélioration d'arme arcanique.
Super. Stay behind me. A peut-être dû prendre une potion, est-ce qu'elle le peut là? Yes. Peut-être faut que je la soigne plus que ça ou que ça vient. Ok, c'est bon. Je l'ai remise sur pied. Oh bien joué. Putain, ça va, ça meurt jamais hein. Elle se relève. Eh, au fait, ça c'est quoi? Oh! C'est fort ça! Je viens de me dire, attends, dégâts contondants. Mais le point, c'est des patates. Oh, pire, limite, attends, limite. À main nue! Comment ça, attaque d'opportunité? À main nue, on peut mettre des patates. Let's try this way. Super. You deserved it. Régongar, mets des patates. Ça marche mieux, je crois. Bah, ça va marcher. Il a fait quoi? Bah, super. Super. Valérie, pareil. Non, mais faut pas qu'elle enlève son bouclier, elle. Continue, toi. Bonjour, salut Clicard, comment ça va? Vas-y, go, point télékinétique, toi, tu fais la diff de ouf avec ça, là. Décale-toi encore un peu. Oh merde, dommage. Ah, Myri met une patate. What? Que j'ai fait? Ça va, je me lève de la sieste. Eh ben, tranquille. Putain, 5. Par contre, on prend une attaque d'opportunité chaque fois qu'on tape au... à main nue. C'est quoi ce délire? This should do it. Super. Any last wishes? Tout à l'heure, elle faisait des dégâts, Lindsay, là. Elle arrive plus. Oh, le coup critique dans la gueule d'Amiri, putain. Échec. Ouais, bon, toi, reprends tes armes, là. Ah oui, c'est pour ça, ça coûte une action de changer d'arme, c'est pour ça. Échec, super. Octavia, déconne pas. Ton point télékiné, mes couilles, là. Putain! J'ai d'attaque 17, ah ouais, sur 23. Ah, Myri, je la sens pas bien, là. Bah, debout à 4h30 ce matin pour aller bosser. Ah, t'as bossé! Ah ouais, dur. Ça va, ça a été? Ouais, moi j'en oublie que des gens bossent encore limite quoi. Tellement perturbant comme situation. Putain, je crame tellement de potions quoi. Ah, je fais le double clic pour les mettre. Oh nice. Qu'est-ce que je fais avec Amiri? Parce que là, attaque d'opportunité à chaque tour, c'est pas bon. Rééquipe tes armes et bois une popo. Attends, ça lui a rendu combien? 4? J'ai l'impression que ça lui a rien rendu. 4 trains en 8 heures, on a fini à 10 heures. Ah oui, d'accord, donc c'est ultra limité, quoi. Puis faut pas que tu t'en ailles comme ça, là. Faut que t'ailles booster tes potes. Tente un truc pour le moment. J'aurais dû booster... Ah, je suis con, j'aurais dû booster... Octavia. Elle était à côté de moi. Hey. T'aimes pas, il t'a pas Myri, lui, il me fait chier. Ah, Myri, elle va se barrer, hein. Merci. Hop. Va te replacer, là. Là, tu prends trop cher. Tu bloques la vue de Lindsay là. Lindsay, de toute façon, elle touche rien. Hein. C'est mort, c'est terminé. Oh. Le fight de l'enfer. Oh, c'est quoi ces armures? Attends.
On est trop lourd. Ouais, mais attends, il y a des armures de ouf là, non? Armure de plaque. Oh, dextérité max, ça flingue de ouf, mais. On s'en fout, Valérie, on veut qu'elle tank, c'est tout ce qu'on veut. Donc elle va aller la mettre, son armure de plaque. Pas voix, c'est le même que moi, ça. Ah, tu m'étonnes qu'il tankait bien, quoi. La vache. Épée longue de mètre. Grande hache de mètre. Putain, la deux mains. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. On peut pour aller voir. Épée bâtarde de mètre, ok. Arc long de mètre. Elle, elle est à quoi, elle? Arc court. Est-ce qu'il n'y a pas mieux dans le coin là? Arc court. Arc court. Arc court. Il n'y a pas un arc court de mètre ou... Non. Lui, il est bien. Arbalète légère. Ah bah alors, arbalète légère de mètre. Alors. 2 mètres. Une arme de mètre est une arme normale qui a été préparée par un maître artisan. Elle donne un bonus d'altération de plus 1 au jet d'attaque. Bon là, déjà, j'étais pas au petit. Ça, j'ai découvert en regardant le stream d'Henri hier. Donc ça, c'est une bonne chose. On a une dague. Pizzi, il est en arc long de mètre. Est-ce qu'elle a une spécialité, elle sinon, l'arc long de Pizzi, je le file à elle. Hein. Pizzi est tellement naze, de toute manière. Oh, ce fight-là. Cette grotte-là, putain. Faut que j'en sorte vite, faut que je fasse un camp. Je vais voir si je peux faire un camp direct à même la grotte. Ah ouais, ça a l'air possible. Nice. Ah là, faut se reposer là. En plus, on est trop lourd par contre. Il y a des trucs à virer là. C'est quoi qui pèse le plus? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Au moins, ils se sont pas trompés. Des fois, c'est l'inverse qui est fait. 50 livres, 150 balles. Ah, c'est les pavois qui sont lourds pour rien en plus. Livres 37, 15 livres pour 5 balles. Ouais, tous les boucliers, c'est de la merde. Et on est encore trop lourd. J'ai bien lâché là ce que j'avais. Ouais. Je peux le déplacer? Non. On est encore trop lourd, il semblerait. Ah, mais on a plein de trucs là. Cimetière de mètre. Même ça se vend cher ça. Vache. 50 livres 150, 40 livres 37, 35 livres 62. Chemise de maille plus 1, armure légère. Attends, personne n'a une chemise de maille sur lui là? C'est... Armure de cuir. Chemise de maille. Elle a déjà. On est encore trop lourd là, hein. Donc faut virer des trucs là. Hein. Mais ça, ça se vend. Ça pèse lourd, mais ça se vend très cher, donc on garde. Ça, à peu de choses près, c'est du 1 pour 1, c'est de la merde. Ça, c'est presque. Ça se vend pas mal, ça aussi. Ça va dans le rapport. Ça se vend très cher. 25-25, un rapport de 1 pour 1, c'est naze. Et c'est bon. On est suffisamment léger, je crois. Bon, je pense que je vais faire mon camp avant d'aller explorer là, parce qu'on est vraiment dans le mal. Allez, copains. Voilà. Pouf. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ah, mais il y a des apports avec ces trucs-là. Manger un repas copieux confère un bonus de plus 1 au jet de sauvegarde pendant une journée. Du hachis parmentier. Plus 1 au jet de sauvegarde pendant une journée, d'accord. Ah, c'est juste que ça n'utilise pas de ration, c'est pas mal. Riz doré.
Farine 10, oignon 3. Et de la viande. Je vais faire un hachis parmentier pour ce soir. Pour cette nuit. Du coup, on a pas besoin d'utiliser les rations, si. Si, quand même. Je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, vous ne pouvez pas chasser ici, effectivement. Je comprends. Alors, on monte notre petit camp. Et bah du coup, si je ne peux pas chasser ici, gestion, Pidgey, il est fort en quoi sinon? Barre-toi, toi. 13 en discrétion, non, bah Lindsay est bien meilleur. Pidgey est capable de quoi? Est-ce qu'il peut checker? Ah oui, il est aussi bien que Amiri. Donc il va, hop. Plus 1, c'est un... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va faire comme ça. Vous ne pouvez pas cuisiner ici. Ah bon? Bah merde alors. On dirait que Tartuccio était pas là pour le Seigneur Serre. J'ignore ce qu'il mijote. Mais je sais ce que je lui ferai si je l'attrape, ce sale petit. Est-ce qu'il dit ça, c'est Valérie? C'est étonnant, mais il n'avait pas l'air préoccupé par les bandits et leur chef. Il y a quelque chose qui cloche, je le sens. C'est Lindsay qui a dit ça, on est d'accord? Ouais. Pidgey soigne Amiri et lui rend 10 points de vie. 10 points de vie, 10 points de vie, 15 points de vie. 9 points de vie. J'espère qu'on est... On est full, hein. Mais il ressuscite ou quoi, ces cons-là? Mais merde alors, j'en ai marre de... On a même pas pu régénérer nos... Oh là 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 là, c'était un repos court, je sais pas pourquoi. Oh non, rebelote. Il est sur Amiri, Amiri va se barrer. Dans un premier temps. On n'a rien récupéré? Bon, autrement dit, faut pas se reposer ici, c'est mort. Il faut vite prendre ce qu'on a à prendre et se barrer. Parce que là, y a rien qui a marché en fait. Ça me fait chier. Mais comment ça, il se retourne sur Gongar, putain. Mais... Il a fait une attaque d'opportunité alors que normalement avec ça, il est pas censé... Sans provoquer l'attaque d'opportunité de la part de celui-ci. Ah, super, merci le jeu qui dit des trucs qui n'applique pas, quoi. Merci Amiri. On a rien récupéré, quoi. Putain. Allez, Octavia, s'il te... Merde. S'il te plaît, Octavia. Merci, 15, c'est cool. Puis dis, y a que elle qui fait des dégâts, donc... Boost là, Valérie. Raté. Ok, il tape Valérie, c'est parfait. Gongar, tu peux y retourner. Allez, dans le dos, là. Dans ta gueule. Dans ta... Non, raté. Bien joué. Ah non, zéro, bien. Plus qu'un coup de point de télékinétique. Ah, et ça passe, 12. Nice. Bon, là, on a plus grand-chose, hein. Mais ça m'a tout viré, ça m'a viré tous mes sorts. Ouais, parce que c'est après ça que je les ai utilisés pour soigner, du coup. Plus d'objets d'attaque, je vais mettre sur Amiri, ça. Je pense que c'est elle qui fait le plus mal. En fait, je sais pas si c'est Amiri ou Gonga. Oh, bien joué, Valérie, elle touche. Mais non! Oh, GG, le critique. Bon. Bon, on se barre. Il y en a marre. On va vite looter ce qu'il y a là-dedans. Et on se barre.
plus possible. Oh, attends, il y a du loot là en plus là. Armure de plaque. Bulova. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on se casse d'ici, il y a plus rien ici, on est d'accord. Hein. Tiens, attends, vite. Bon, allez, on se casse. On se repose plus ici, là, on se barre. On se barre. Après, en termes d'XP, on monte, mais en fait, pas tant que ça. Alors, après, on va voir, parce que j'ai récupéré encore un stuff, là. Armure de plaque. Oh, plus 1. Bah, écoute, Valérie, par contre, elle s'amuse bien. Hein. Valérie, elle est plutôt bien, là. Faut qu'on sorte de cette merde là. On a tout exploré. Là c'est vers l'extérieur. Voilà, on va aller vers l'extérieur et on va se reposer à l'extérieur. Et après on retournera voir les mythes à l'intérieur parce que pour l'instant... Allez go extérieur. Ouais on sait, on s'en fout. Partir. Quel enfer.